Est-ce que ça tient? C'est la question. Ça devrait de tenir. Est-ce qu'on a du jeu? Toi, pourquoi ça me met en 1080p 60 fps? Pas du tout. Qu'est-ce que ça me fait là? Je suis pas du tout en 1080p 60 fps. Il me fait quoi, machin? Tu timbré? Je suis encore en 1080? Hein? Oh, je fais de la 1080p, da fuck. Ah non, oui, non, c'est bon, c'est revenu. Ah non, ouais, oh, c'était bugué là. Bref, salut à tous, bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, suite, enfin, nouveau let's play. Ce qui nous en fera 3 réels en cours, parce que je reporte Pokémon Noir à la fin de Pokémon Perle. Je sais pas si vous me suivez. En gros, dès qu'on a terminé Pokémon Perle, on fera Pokémon Noir, mais pas avant. Alors, pourquoi Oblivion? Ah oui, si vous allez me dire, merde, c'est un vieux jeu quand même, Dark. Et oui, c'est un vieux jeu. En effet, je vais pas vous dire le contraire. Mais c'est un de mes jeux préférés. Enfin, pas un de mes jeux préférés, mais il fait partie de ma franchise de jeux préférés, qui sont les Elder Scrolls, que j'adore tout simplement ça. C'est un jeu que j'ai fait il y a très 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 longtemps, pour vous dire, je me rappelle quasiment de rien. Genre vraiment quasiment de rien en fait. Je me rappelle vite fait du début. Mais après, ça va être de la découverte en fait. Donc, début du let's play là-dessus, oui, j'ai réglé vite fait les options, on a un EMB d'actif. Là, regardez, tac, voilà, on a l'EMB d'actif. On est pas mal, on est pas mal. Alors, attends, oui, il y a un continué, mais c'était pour faire des tests. Pour voir si l'EMB s'était mis. Alors, vous me dites si vous entendez bien le son du jeu. Dans tous les cas, tout est sous-titré en français. Ne vous inquiétez pas. Sauf ça. En gros, là, c'est l'introduction. Il est né, machin. Et là, ils sont en train de se faire attaquer. Du coup, il doit se barrer. Voilà, très rapidement. Ce qui se passe. Alors, Imperial, toujours aussi dégueulasse. Par contre, oui, Oblivion, c'était vraiment pas le feu. Même Bethesda, en général, ils savent pas faire des visages. Natif de la province civilisée et quand sont souvent très éduqués. Ce sont souvent d'excellents diplomates et commerçants. Très bien. Moi, je veux un nordique. Habitant de bord de ciel. Ils sont grands et ont des cheveux blonds. Forts, déterminés et courageux, les Nordiques sont célèbres pour leur résistance au froid, même magique. Or, originaire du mont machin. Rougegarde, le meilleur guerrier inné de Tamriel. Outre leur habitude culturelle de nombreux styles d'armes et d'armures, ils ont une robuste constitution et se déplacent vite à pied. Zargonien, la race des reptiliens, machin, machin. Et les elfes, les bretons. Khajiit, originaire de la province d'Elf. Ouais. Ils sont intelligents, vifs et agiles. Leur agilité naturelle et leur don font l'acrobatie fait d'excellents voleurs. Alors on va prendre un impérial. Parce que Foxess, c'est la classe de base. Hein. Ouais, c'est pareil, c'est marron, bon, on s'en branle un peu, on va le mettre tout genou, le bougre. Tain, Tintin. Non, comme ça. Alors, on devrait en mettre un nom. Alors, on va l'appeler Caldrago. Caldrago. Ah merde, ça marche pas, je peux pas le mettre le. Ah d'accord, mon clavier est pas sûr. Attendez, parce que je suis en. C'est buggé, c'est en QWERTY le jeu. Cal Drago. C'est bizarre que ça soit en QWERTY. Cal Drago, alors cheveux. Après on s'en branle un peu parce que généralement on va porter un casque ou un chapeau. Donc Bordeaux impérial, voilà, ça sera très bien. Ok. Parfait. Bon, je sais pas si l'ENB est déjà activé.
Ah bah oui, il est activé. Alors ça, c'est le jeu de base. Et ça, c'est le NB. Audio. Alors, je vais monter peut-être un poil le son. Voilà. Normalement, le son du stream est assez bas. Alors. Qu'il se chauffe pas dans les chouchous, hein. Bon, oui, en gros, là, je pense, il me semble qu'il va nous insulter de tous les noms, il va dire putain, les impériaux. Juste pour cette phase-là, on va garder les graphismes de base. Montons ça. Alors, ah oui! Donc, il dit qu'on va die, là, il se fout de notre gueule. Donc, pour monter son acrobatie, on peut juste spam le saut comme un débile. Et à la fin, en fait, ça va augmenter ton endurance et le fait que tu puisses sauter plus haut. Donc voilà, c'est intéressant de le faire. Donc vous allez beaucoup me voir sauter. Ma mission pour le moment est de vous mettre à l'abri. Que fait ce prisonnier ici? Cette cellule est censée être hors limite. Encore un quiproquo avec la garde. Oubliez ça. Ouvrez cette porte. Ouais, je monte mon truc, hein. Voilà, regardez. Votre talent d'acrobatie a cru. Maintenant, on saute plus vite. Intéressant. Je vous ai vu. Laissez-moi regarder votre visage. C'est vous que j'ai vu dans mes rêves. Alors les étoiles avaient raison. Le jour annoncé est bien arrivé. Dieu, donnez-moi la force. Alors qu'il a vu dans ses rêves qu'il allait mourir aujourd'hui. Hein. Il va vous l'expliquer. Assassins s'en sont pris à mes fils, et je suis le suivant sur la liste. Mais l'âme m'entraîne hors de la ville par une issue secrète. Par le plus grand des hasards, l'entrée de ce passage se trouve dans votre cellule. Donc qui êtes-vous, empereur Uriel Septime? Je suis votre empereur, Uriel Septime. Par la grâce des dieux, je sers Tamriel en la dirigeant. Vous êtes citoyen de Tamriel, que vous servez vous aussi à votre façon. Pourquoi suis-je en prison? Peut-être les dieux vous ont-ils conduit ici afin que nous fassions connaissance. Quant à la raison de votre présence en ce lieu, elle n'a pas d'importance. Ce n'est pas pour cela qu'on se souviendra de vous. Je suis mon propre chemin. S'écarter de sa voie quand elle a été tracée par les dieux tout-puissants. Ah, ils sont tous très croyants hein, dans les jeux Elder Scrolls. Mieux vaut ne pas fermer ça. Il n'est pas possible de nous faire de l'autre. Vous direz que c'est votre jour de chance. Contentez-vous de ne pas vous mettre en travers de notre chemin. On va juste sauter comme un débile. Alors là, oui, je sais que c'est très très sombre. Vous allez même rien voir du tout. Peut-être qu'avec le NB ça sera mieux. Ah non, hein. Oh, c'est beaucoup plus clair comme ça. Beaucoup plus clair comme ça. Alors je me mets à des endroits où vous pouvez voir. Ah, encore acrobatie accrue. Parfait, donc bah, à la fin on aura une acrobatie de ouf. Hi-ya! Déjà? Il est sérieux? Non, attendez. On va s'équiper, donc on va... Ah, parce que j'ai les mains attachées, donc je peux pas m'en servir. On s'habille, nous. Donc voilà, maintenant là, normalement on peut s'équiper d'une épée. Alors c'est des épées à une main dans Morrowind, c'est pas, et contrairement à Skyrim, il n'y a pas d'épée à deux mains. Alors dommage qu'on puisse pas récupérer son armure, elle, parce qu'elle est fort intéressante. C'est une armure des lames. Ah les lames, c'est le feu, hein, ils sont trop bien.
Appuie sur F pour mettre vos armes dans le fourreau. Oui, c'est vrai qu'il ferme la porte. Alors, faut que je trouve un... Voilà, parfait. Ah! Oui, du coup, j'ai rangé mon arme. Alors, on va se débarrasser d'eux. Yeah! Alors, il y a des combats très très stylés, hein, mine de rien. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que regardez. Oh! Je sais pas si ça se voit très bien. Alors là, vous allez voir que chi. Je suis au courant de cela. Je vois pas beaucoup plus que vous. J'ai pas de crochet malheureusement. Ça c'est de la viande de rat. Un bouclier en cuir, parfait. Un arc. De l'or. Alors, un arc pourri. Et par contre, le bouclier en cuir est très intéressant. Parfait. Alors oui, là on va tracer. Vous allez rien voir pendant un petit moment, mais bon. Je vais... J'ai de porte et tout. Ah oui, c'est vrai qu'il faut prendre sur. Prendre là-dessus, on va voir s'il n'y a pas une torche là-dedans des fois. Parce que des fois ils ont des torches sur eux. Continuer. Voilà, donc c'est le système de tac, tu le pousses et après. Non, il n'y a pas de torche. Tu le pousses et après c'est bon. J'ai pas de torche du tout sur moi, c'est dommage. C'est sûr. Et c'est sûr que si j'en ai une. Ah, là, vous voyez, là. Et par contre, si je veux sortir mon arme, ça me l'arrange. Sinon, ça me la ressort. Parfait. Porte ouverte avec la clé en fer. Parfait, vous allez pouvoir voir quelque chose. Donc, voilà. Yeah. Même principe que dans Skyrim, hein, la musique s'active quand il y a un ennemi. Une hache. Flèche. Cuirasse en fer. Torche. Un rustique iron bow. Putain, on a de quoi ce stuff là. Putain, on est bien. Juste enlever ça parce que c'est dégueulasse, mais. Oh putain, on se met bien. Crochet, des torches, parfait. Et j'ai eu une hache. Et des flèches. Ah, je me mets bien là. Je me mets même très très bien. Alors attendez, on va ranger ça, on va garder. Ah, du coup, on est beaucoup plus lent. Ah oui. Donc normalement, on va... Voilà, ils vont nous demander de choisir un alignement religieux, en gros. C'est une sorte de signe du zodiaque. Ah, c'est vrai qu'il y a des zombies. Voilà, je lui fais zéro dégâts, mais c'est pas grave. Alors voilà, oui. Enjoy notre game. Oh, très bien, on peut rush, on peut rush, on peut rush. Là, peut-être que le NV peut donner pas dégueu avec la torche. Non, on y voit que dalle, mais dans la grotte avec le NV, c'est. Bon, elle est plus officiellement la merde, cette hache. On va vite changer, excusez-moi. On peut pas changer pendant qu'on utilise l'arme. Très bien, alors maintenant j'ai fini d'utiliser l'arme. Est-ce que je peux reprendre mon épée? Parfait. Je pense que ça sera mieux. Donc là, des crochets, des trucs à la con. Avançons, mesdames et messieurs, voyons un peu aussi sur les côtés s'il n'y a pas de choses, non? Vous pouvez y aller, à l'aventure compagnon, je suis parti vers l'horizon. Ce sera mieux qu'un simple bouclier en... Ce sera mieux qu'un simple bouclier en cuir. Ah, je voulais dire, même principe, hein, et à la... La musique se coupe, tu sais qu'il y a des ennemis. Voilà, pour l'occurrence, c'est peine des rats, donc c'est pas réellement des ennemis de ouf, hein, mais. Voilà, donc tac. On peut avancer, si on peut même se mettre en troisième personne, on se prend le luxe. Tac, tac. Faut par là. Je me rappelle plus par où il faut que j'aille. Donc, ouais, je slide, hein, c'est normal. Ta-t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 a
sang, des potions de guérison. Ok. Merde. Oh. Ouh. Rien loupé, non. Le poisson. Au début, t'es short en vie, c'est pour ça qu'il donne beaucoup de potions. Alors attendez, on va. J'aimerais bien équiper elle en 1 et lui en 2. Voilà, parfait. À quoi ça sert? Ça fait que quand je fais ça, pam, je sors mon arc, pam, je sors mon épée. Il me semble qu'on va. Voilà, il me semblait bien. À côté, regarde, on est vu. Allez, tac, 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 tac. Et c'est tué tout seul. Voilà, c'est ce qu'il me semblait. Ça, jusqu'à là, je m'en souvenais. En fait, je l'ai fait dans le pendant le test. Voilà, bon, jusqu'à là, rien de très difficile. C'est du. Ça, ça après, ça reste du Oblivion. Hein, sans que, du moment où on connaît pas mal Skyrim, ce qui est mon cas, ça reste assez simple dans l'absolu. Prenons des potions de guérison. Reprenons un peu de vie, parce que c'est un peu la merde. Ah, je suis vu. Tiens. Quel horrible personnage. Ah d'ailleurs, les gobelins ne sont pas dans Skyrim. Donc c'est que dans Oblivion, donc c'est vachement cool parce que les gobelins c'est cool comme espèce. Ça reste des gobelins, hein, mais. Inutile. Là, là-haut, y'a rien. Très bien, on continue. À mon avis, il doit en avoir un peu. Salut. Donc oui, hein, ça j'arrive à le passer vite parce que je m'en souviens en fait, parce que je l'ai fait hier. Quand j'ai fait les tests. Donc ça va être simple, appli d'efficace. Flèche, très bien. Bon, je prends tout en fait, basiquement. Et là, lui j'ai fait, et lui j'ai fait. Du coup, je me rappelle plus. Parfait. Alors avançons. Quoi? Oh putain, j'avais pas vu. Oh! 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 Oh merde, il a dodge. Parfait, mort. Tout prendre, on récupère et on y retourne. Soy. 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 Il n'y a pas le gobelin, il y avait un gobelin là normalement hier. Il était là. Je suis vu. Très bien. Alors on est vu. Alors là je sais que vous allez vous voyez de chien les potes.
Ne vous inquiétez pas, après on va vite se barrer. C'est pour ça que je garde la torche en main tout le temps. Pas que j'en ai forcément besoin, c'est juste que c'est plus pratique pour vous. Soy! Lui, il fait des sorts. Sort de ville. Aïe! Soy! Soy! Ah, il fuit! Fuit comme un lâche! Oh, une épée longue. Je savais pas qu'il y avait ça ici. Heureusement qu'on avait cette armure là, parce que je pense qu'on serait déjà mort. Épée longue. Ah oui! Là, on a un gros couteau, là. Parfait. Du coup, un coffre. J'imagine qu'il n'y a que des potions, rien de bien intéressant, des pépites, un vase, une topaze. Parfait. On prend tout, on triera après, hein. Et là, que dalle. Très bien. Que dalle, que dalle, que dalle. Allons-y. Fuyons! À l'aventure et compagne, hein, je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, à la suite nous le dira. On augmente notre acrobatie. Parfait. Fuyons! Donc là, normalement, on va retomber sur Septime et ses potes. Potion de guérison. Histoire de. Histoire de padaille. Hop, on peut reprendre ça. Là, normalement, c'est bon. J'ai tapé le lame sans faire exprès. Bon sang, l'empereur vous fait peut-être confiance, mais pas... Pardon, c'est bon. Je voulais pas à la base. Non. Venez avec nous. Il peut nous aider. Il le faut. Comme vous voudrez. Ils ne peuvent pas. Les neufs nous guident et nous protègent. Je ne suis pas bon en termes. Les cieux sont parsemés d'étincelles, qui sont autant de feux et de signes. Bien ces étoiles, et je me demande laquelle a marqué votre naissance. Faut savoir, alors là maintenant on va choisir, et nous c'est le destrier, apporte un bonus permanent de 20 à la caractéristique de rapidité, c'est-à-dire que mon... Que j'ai beau avoir une grosse armure, je courrai quand même vite. Voilà. Donc c'est les pierres en gros dans Skyrim. Ne s'aventure jamais au-delà des portes de la mort. Mais sur votre visage, je reconnais le compagnon du soleil. L'aube de la gloire d'un Katoche. Suffira peut-être à bannir les ténèbres qui approchent. Mon cœur devra se satisfaire de cet espoir. Et de la promesse de votre aide. Donc on va essayer de le sauver. Naturellement, vous savez Je ne qu'il suis meurt. pas accompagné des trophées de mes triomphes, mais j'ai bien vécu. On la reposera en paix. Les hommes ne sont que chair et sang. Ils savent quelle forme prendra leur fin, mais pas quand elle se produira. En cela, je suis béni des dieux de voir l'heure de ma mort. Cela me permet d'affronter dignement mon sort et ma chute. Où allez-vous? Je vais à la tombe. La voix qui m'appelle est plus séduisante que le chant des sirènes. Vous me suivrez sur une partie du chemin. Après quoi, nous devrons nous séparer. Bah oui, il va se... Vadaille. Autant vous rendre... Nous sommes les gardes du corps de l'empereur. Notre mission est de le tirer de situations telles que celle-ci. Mais je dois admettre. Bah, il est l'arc, hein, vous voyez pas moi non plus, hein.
pour mission de m'assurer que l'empereur sortira d'ici vivant, et je compte bien la réussir. Très bien. Ne vous éloignez pas. Laissez-nous faire notre travail, et tout se passera bien. On peut descendre par là. On les a défoncés. Donc ça va arriver hein, par wave. Il est long le tutoriel de Oblivion. Je me rappelle plus qu'il était là, j'avais juste entendu un bruit à côté. Talent des lames augmenté. Ah, fuyon. Le mec il fait courir, t'es... Ah ! Damson. Vous êtes où ? C'est vrai qu'ils arrivent après. Faut attendre qu'eux ils viennent. Arrêtez. Je n'aime pas ça. Je vais jeter un coup d'œil. Sautons, hein, pour faire augmenter notre endurance encore une fois. Oh. 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 Oh, 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 bonjour. Pardon, oui. Bien sûr, je prends mon espadon. Merde. Là, ils vont arriver de partout. Ça va être le zbeul. C'est une voie sans issue. Quels sont vos ordres, monsieur? Ils sont derrière nous. Attendez ici, monsieur. Attendez ici. Mais ils arrivent d'où? Ah! Alors? Je suis mort! J'en reviens pas, ils m'ont eu! Oh non, ma vie c'est de la merde! Oh non, bah alors fais en rush. Hein. Putain, je suis mort dans le tuto! Really, nigga? Oh non! Oh non, c'est débile! La mort de merde. Oh, je suis mort dans le tuto. Il m'a mis deux coups, il m'a défoncé. J'en reviens pas. Bam, tombe. Ah putain! Au pire, ce qu'on peut faire. On va prendre. Ah, mais lui il s'appelait Test. Caldrago. On va faire attention. On va le rush. On va le faire attention. Et on aura pas d'ail. Ça se passera très bien. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Là, il me semble qu'on peut faire. Il y a moyen de faire quelque chose. Pas du tout. C'est de la merde. Très bien. Alors, rushons. Rushons. Alors, lui, il a... je vais activer son piège. Du coup, il en meurt. Il est pas mort de ça. Potion. Parfait. Alors, rechon. Putain, j'en reviens pas. C'est la première fois que ça m'arrive. En off, je suis jamais mort dans le tutoriel. Mort par des quais, par des trucs. Franchement. Ah, mais je suis déjà en armure!
Il semblait que j'étais plus en armure. Parfait. Bon, bah alors attends. Toi. Oui, je vous le montre. Non. Parfait, un en moins. Ensuite, il y a l'autre là-bas. Salut. Ah ouais? Ah, putain, il m'a vu. Je peux pas rush au pire. Non, putain, il y a un plus. Ah! Alors, on y va. J'ai pas de. Alors là, failli mourir. On le défonce, 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 on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ulia, Ulia. Oh, failli mourir. Parfait, on se met bien. On se met bien, on se met bien. Alors, petite potion de guérison encore une fois. On avait dit que ça. Mettez en 1. Je peux plus courir, je sais pas pourquoi. Ça court de base maintenant. C'est bugué. On va rush. Alors on va rush hein. Il n'est pas des leurs. Il peut nous aider. Il le faut. Ils ne peuvent pas. Comment on avait dit le destrier, donc il est là. Les signes. Autant vous rendre. Ne vous éloignez pas. N'ose pas me parler. Voilà, donc là ça va arriver de là. Les mecs au début ils sont costauds hein. Ils sont taille de fort. La roche là. Je lui fais 0 dégâts, c'est genre enjoy hein. Putain, tu leur fais pas de dégâts en fait au début. En early game, tu peux taper hein. Ceux qui sont là. Salut, les pots. Les bros. C'est en train de nous rush. Allez-y. L'empereur qui rush. L'empereur il rush, il s'en bat les couilles. Il y va lui hein. Rien à foutre. Oh putain. Ouais, faut nous, de notre côté, j'ai l'impression qu'il faut juste sauter et dodge un peu. Faut juste sauter et dodge. On se porte visiblement. Là, il va dire c'est libre. C'est après que ça devient chiant. Faible potion de guérison, on est quand même un peu.
Faut-il que ça soit. Enfin, que j'ai pris la pierre du destrier, vu que la pierre du destrier, elle te fait courir déjà à fond, hein, de base. Je vais tuer le lame sans faire exprès. Oh, avec l'armure en fer, il fuit. Ce que je voulais voir. Bien le bonjour. Alors attendez deux secondes. Parfait. Là c'est joli comme endroit pour une... Oula! Les mecs? Ah mais justement, aïe ou i! Ah c'est quoi, c'est parce que... Non! Mais c'était avec le NB ça, d'accord. Non oui, je me disais. Je disais c'est vachement beau quand même. Voilà, et là il va faire oui, c'est bon, tu peux te barrer, les égouts, la clé, tout ça. Alors là, on va devoir choisir... Quelle est notre classe? Notre classe de personnage. Ça n'influe en rien, ça donne juste des spécialités. Mais je peux être un mage de guerre tout en étant en fait un guerrier. Hein, je peux être un chevalier, machin. Donc nous, on va créer juste une spécialisation du combat, un chevalier. Classe perso du combat, de la magie, de la furtivité. Nous, c'est le combat. Des caractéristiques de points dans la force, dans l'intelligence, et dans l'endurance. Parfait. Vos 7 talents principaux. Alors ça, on s'en branle un peu. Enfin, je me rappelle plus qu'est-ce que ça veut dire. Donc je vais prendre l'armure lourde parce que j'aime bien. La magie de destruction, ça peut être... Non, attendez. L'éloquence, parce que c'est intéressant, les lames, les épées. Sécurité. Sauter loin, éviter les dégâts. Causer chute, alchimie, altération. On peut prendre l'acrobatie. L'athlétisme pour énergie et en unisant la fatigue. Tous les talents. Attaque. On va essayer d'épuiser les adversaires pour faire des... Magie de discrétion, on va pas prendre la discrétion, la magie de destruction, invocation, lancer des sorts pour invoquer ou contrôler des créatures d'un autre monde. Ça c'est le feu. Marchandage, ça peut être utile. Des crochets pour ouvrir des portes, des objets verrouillés. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ça, ça a la place. Classe de perso, on s'en fout, et oui. Classe perso, mais oui, on va jouer ça. N'était pas loin. Bien. En tout cas... Voilà, en gros, là, maintenant, ils me disent de me barrer, et on va enfin pouvoir commencer. Alors, je vous remets la torche. On va enfin pouvoir commencer à pouvoir se casser d'ici, en fait, tout simplement. Donc faut passer par les égouts. Oui. Non, il n'y a pas de monde. Oh putain, vous avez rien à voir avec le NB. Oh là. Oh là là, le jeu de base vite. Ah et le NB ça. Ça baisse un peu les couleurs. J'ai énormément de quêtes. Il va y avoir des petits rats une fois de temps en temps, c'est pas très. Genre ça. Ta ta ta! Ça c'était plus du remplissage qu'autre chose à mon avis. Hein. Quand ils l'ont codé, ils se sont dit ça. Non. Ce n'est pas un ennemi comme les autres. Meurs. J'ai dit meurs. Putain, c'est la première fois de ma vie que je vois un rat tenir un coup d'épée. C'est bon, meurs.
C'est quoi ces rats de merde? Très bien, c'est inutile. Rochon alors. Parfait, la sortie est là. On va enfin pouvoir arrêter d'utiliser des torches. Choisir sa rame. Ça c'est pour verrouiller sa tête. En gros c'est... T'es sûr hein, que tu veux choisir ça? Sûr. 100%. Persuadé. Moi, je fais oui. Écoute. En toute chose. Parfait. Alors, là, on va pouvoir activer... Ça. Alléluia, comment c'est beau ça. Très bien. Alors attendez, parce que j'ai 2-3 choses à régler dans les vidéos. Alors. Normalement, c'est pas comme ça. C'est comme ça, c'est un set comme ça. Et là, moi, ce que je veux, c'est l'occlusion qui est la luminosité d'ambiance. Reflet des fenêtres, mouvement de l'eau, reflet de l'eau, détail de l'eau. C'est ouf. Construction, détail des distances, oui, distance de vue, détail des décors, objet acteur, qualité graphique, résolution. Je me rappelle plus où c'est, j'avais lu en plus ça la dernière fois. Qualité des ombres, on s'en branle. Reflet de l'eau, tache de sang, bah, je sais plus où c'est. C'est pas grave, c'est très beau quand même. Alors, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est vrai que Oblivion, c'est un peu je te laisse et tu te démerdes. Alors, hein. Déjà, voir un peu à quoi nous servent nos touches. Ça, déjà, c'est la carte. Alors, S4, c'est la carte. Très bien. Donc, j'imagine que ça, c'est la carte générale. Ça, c'est les quêtes en cours. Il faut que je porte l'amulette. Roi de Jove, il se trouve près de Chorol. Bien. Alors j'imagine que ça là-bas, ça doit être le truc rouge, ça doit être une quête. J'ai un contrôle juste, j'ai un souci juste au niveau de mes contrôles. Alors attendez, parce que je vais régler ça directement. Commande. Je peux pas. Je peux pas régler, ça veut pas. Non. Commande si c'est ça. Courir. Ouais, s'il te plaît. Hein. D'accord, je peux plus courir. Donc on va devoir y aller comme ça. Très bien. On va prendre. Alors, on va juste enlever cette torche. Torche à la con là. Où c'est, intéressant, voilà. Ah oui, on voit mieux sur la torche. Par contre, le fait de courir, c'est bugué. Pourquoi ça me... Je veux cette arme là. Ah, un loup. Yeah. Alors attendez, faudrait qu'on regarde. Dans l'idéal, faudrait qu'on regarde dans nos quêtes parce que je fais même pas attention en fait depuis tout à l'heure. Carte. Ça c'est quoi? Alors ça c'est... Oui donc c'est bien. Alors le truc rouge c'est bien l'endroit où on doit aller. Très bien. Ok donc c'est noté. Donc je dois aller là-bas. Je peux plus courir. Ça ne veut plus. Ça me stresse un peu. Commande. Commande. Prendre tac 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 et tac, je vais toujours courir. À un moment j'ai dû appuyer là et là je peux courir normalement. D'accord, ok, c'est parce que j'avais mis toujours courir. Regardez vite fait. Parfait. Alors là, maintenant, je peux le faire. Ça ne m'enlève plus le chat. Très bien.
Talent d'athlétisme accru. Alors oui, aussi, plus on court, plus ça augmente nos talents d'athlétisme. Putain, c'est beau, hein. Oh non, ça a craché! Putain, c'est peu! Alors attendez. Oh merde. Attendez, heureusement que j'ai fait... Ah bah attendez, on va sauvegarder. Heureusement que je l'ai dit, hein. Putain. On n'a pas de chance. Pas grave. En fait, il doit pas trop aimer le NB. T'as dit, ah! Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et oui, et du coup, le jeu est redevenu moche parce que ça m'a enlevé mes paramètres graphiques. Voilà. Alors attendez, je réactive tout vite fait, tac, tac. Parfait, parfait, tac, tac. Tac, haute, ça, luminosité ambiante, tac, tac. Non, merde, ça, non, faut pas toucher ça. Ça, c'est l'HDR. Je sais pas ce que c'est, mais je sais que ça fait marcher le NB. Donc tac, 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 parfait. Là, là, on match. Parfait, alors. Ça fait cracher mon jeu, j'en reviens pas. Alors, jeu. Voilà, jeu de base. Jeu, voilà, jeu de base. Jeu avec NB, jeu de base. Voyez la différence. Merci. Alors. Ça devrait se trouver là-bas. Un peu plus loin, peut-être. Prends un peu, il n'y a pas vraiment de... C'était une quête qui n'était pas traduite. Mon patch FR doit pas être foufou. Oh merde. Putain, il est craqué le crabe. Meurs. C'est quoi ces crabes? Des vassards trop forts. T'es relou. Die. Non mais oh. Très bien. Tac et tac. Voilà, parfait. Alors, vous ne pouvez pas prendre en main une autre arme avant d'avoir achevé l'action. Je sais. On y va en sautant, sautillons. Histoire d'augmenter son acrobatie. Putain, c'est beau. C'est un beau jeu, hein, mine de rien, Oblivion. Hein. Pas croire, mais regardez. Un jeu qui est sorti 2004. Si je ne me trompe pas. C'est magnifique. Hein. C'est quand même magnifique. Il y a quand même moyen. Alors, bon. Oui, je sais, là, normalement le jeu est comme ça. Mais même comme ça, le jeu est beau. Même là, il est modé. Mais voilà, genre, le jeu est magnifique, hein, de base, Oblivion. C'est encore un jeu avec des graphismes très très potables encore aujourd'hui. Certes, ça vaut pas ça. Ça, c'est beau, ça, c'est vraiment classe. Mais, c'est encore un très beau jeu. Je vais aller un peu ici, mais il n'y avait pas vraiment d'intérêt. J'ai vu une habitation, ça peut être cool. Un crabe, donc il fait notre cul, très bien. Des petits trucs un peu de partout. Pas trop de musique de jeu. C'est plus de la musique d'ambiance en fait. Surtout que vous n'avez rien, vous allez entendre que dalle la musique. Je vais monter peut-être un peu genre à 15, 16, voilà 16, parfait. Parfait. Et à chaque fois j'ai peur que le jeu plante. Mais bon, ça va. Ça tient, ça tient. Très bien. Bon, il y a les trucs qui apparaissent un peu. On voit pas qu'il va falloir que je traverse là, non? Qu'on sait pas faire très beau. Effectivement, le NB, bon, non, si c'est bon. Pourquoi j'entends des tonnerres? Ah non, c'est le vent, j'ai plus peur. Sautons. Bah si, il va falloir que je traverse. En effet. Oula. Petit saut. Ah. Ça semble assez inévitable. Très bien, traversons. Voilà. Alors, je sais que là-bas, il y avait une grande ville. Donc, là-bas, on la voit dépasser. C'est la ville impériale. Donc, le siège des impériaux dans tous les Elder Scrolls. Ville qui est d'ailleurs attaquée dans The Elder Scrolls Online. Dans la campagne de Cyrodiil. Et en fait, là, tout ce que vous voyez autour, là, donc tout ça, c'est la map PvP de The Elder Scrolls Online. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est noté. Prenez vos calepins, vous le marquez. Et genre,
Je trouve ça beaucoup plus beau comme ça sur Oblivion que sur Tezu. Parce que sur Tezu, ça serait comme ça. Non, peut-être ça, c'est peut-être Tezu est plus beau que ça. Mais Tezu n'est pas plus beau que ça. Et ouais, je vais les vanter, mais les mérites de mon EMB1. Hein, parce que j'ai galéré à l'installer. Je vous dis pas. Hein. Putain. Et je savais pas du tout comment fallait faire. J'ai pété un plan. Donc oui, vous allez en bouffer de l'EMB1. Hein, je vous le dis direct. On va garder quand même celui-là tout au long de la série, tranquillement. Parce qu'il est bien, je le trouve magnifique. Il n'y a pas réellement mieux dans Oblivion. Il n'y a pas réellement mieux. Par contre, là-bas, il y a des ruines. M'intéresse. Alors, faut savoir que je papillonne beaucoup. Hein. Donc, pour ceux qui m'ont suivi sur Skyrim, je tourne de chargement. Donc, très bien. Pour ceux qui m'ont suivi sur Skyrim, vous savez que c'est que j'adore papillonner. Les quêtes principales, généralement, je dis oui, je vais faire, mais si pis, j'allais faire à chaque fois. C'est quoi ça? Puis encore quelque chose qui n'est pas traduit. Mais par contre, ça m'a donné un bonus. Bien. Patch français n'est pas encore n'est pas très abouti. Voir si j'en télécharge pas un autre mieux la prochaine fois. Je verrai. Pour l'instant, il fera très bien l'affaire. Hein. Tant qu'on comprend l'histoire, un peu le reste, on s'en branle un peu. Je suis en train de m'extasier sur ça en fait. Je trouve ça même plus beau que Skyrim. Genre, c'est ouf, hein. Alors pourtant, Skyrim est magnifique comme jeu, mais regardez. Ça, c'est comme ça, hein, de base. Hein. C'est pas... Il y a encore comme ça de base, mais il y a quand même le mini truc de l'ENV dessus. Hein. Et c'est magnifique, hein, en vrai. Il est beau. Il est vraiment beau comme jeu. Acrobatie accrue, encore une fois. Parfait. Bien, avancé. Je le savais. J'avais entendu. Hein. C'est méchant. Créature d'Oblivion, d'accord. Je vais galérer à le tuer. Je lui fais pas de dégâts, c'est insane. Putain, je lui fais pas de dégâts. Ah! Non! Non! Salope! Non! Ah! Tayo! Non! Bande de putes! Laisse-moi tranquille! Non! Ah! Ah non! Non, mais je veux pas! Je veux pas me battre contre toi! Arrête! Ouf, sa bête, elle a dit... Oh putain, alléluia! Oh merde! Oh non, j'ai plus de potions de. Ah oh, putain, c'était pas une bonne idée de manger ça aussi. On va die. Bien, alors à noter, plus retourner là-bas. Tant qu'on n'est pas stuff. Putain. Oh merde. J'étais pas prêt. Il a failli me tuer, oh. C'est pas passé loin. Hein. Je suis peut-être allé un peu loin là, non? C'est de la sauvegarde rapide ça. Ah non, la cité impériale est là et donc. Oh putain, mais attends, j'ai un chemin en bas. Je vais aller au chemin. On a un chemin qui est tout fait. Alors, il me semble pas qu'il y ait des TP sur Oblivion. Il me semble que ça se fait que... Ah! Il prend pas de dégâts? Alors, il me semble qu'il y a que... les charrettes. Pour nous faire avancer. Il n'y a pas non plus la gestion du temps. Ah, si.
un ennemi quand il y a des ennemis proches. Ah merde. Si, donc du coup, il y a la gestion du temps. Je peux me régène. Oh, c'est cool. J'ai pu me régène. J'avais pas. Je pensais qu'il y avait pas la gestion du temps sur Old Lydia, tu m'en rappelles plus. Putain, c'est beau. Oh là 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 là. Ça, c'est de la cité impériale. Putain. Vendôme, ça fait pas. En vrai, y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Vendôme, c'est de la merde comparé à cette cité. Hein. Cité impériale dans Oblivion, c'est le feu. Hein. Vous êtes pas prêts. Très bien. Mais du coup, c'est cool, j'ai pu me régène. Au lieu de claquer mes potions comme un connard à chaque fois. D'accord, je savais pas. Bah, les deux potions là, juste avant, étaient nécessaires. Mais là, au moins, on le sait. Très bien. Très bien, très bien. On est où? On est peut-être arrivé. C'est quoi ça? Un loup avec un lame derrière. Un lame, c'est juste un chevalier. Cavalier de la Légion impériale. Très bien. C'est lui que la garde impériale passe son temps à chercher. Il aime voler les riches. Et Rumor? Sommes une légion qui n'a plus de chef. Les lames étaient responsables de la protection de notre seigneur et elles n'ont pas été à la hauteur. Bah, t'étais pas là en même temps. Hein. Poursuivez. Ne restez pas là. J'ai beaucoup de choses à apprendre sur le système, par exemple, de corruption. Oh le vol! Le vol à l'étalage! Oh merci pour le cheval! Oh oui! Salut! Il y avait un Khajiit qui voulait me parler. Je pense plutôt que c'est un brigand, mais. Voilà, derrière les Khajiits, c'est un peu la merde. Hein. Dans les Elder Scrolls, c'est pas trop les. Ce ne sont pas trop des gens fréquentables. Des chaussures, c'est ça que j'avais pas. J'avais rien gardé là depuis tout à l'heure, mais oui. C'est bon, j'ai des chaussures, parfait. La bourse... S'il vous plaît, je n'ai pas d'argent. Parfait. Ah si t'arrives. Oh, la parade au bouclier, t'étais bien passé. Oh merde. Bâtard, il joue bien. Enfin, il joue bien. Voilà, c'est un ordi, quoi. Oh, ça contre-attaque. Oh. Ouf, ouf, ouf. On a pris Bagdad, on a pris Bagdad. On peut le faire, hein. Tiens, 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 oui, on l'a eu. Très bien. F5 pour la sauvegarde rapide. Juste parce que, en fait, genre, ça arrête pas de me décaler mon chat, en fait, quand je joue. Ça, c'est relou. Ah, bah voilà. Tiens, j'ai bien fait de sauvegarder rapidement. Parce que ça a craché. Parce qu'en fait, genre, ça arrête pas de ça, quand je monte... Quand j'utilise ma molette, ça me change le chat. Ce qui est pas fou, hein, vous comprenez que si je vois pas le chat, et baiser. Donc vivement la sauvegarde rapide, c'est la vie, mangez-en. Très bien, fermons ça. Montons sur notre canasse envolée. Et attendons un petit peu, j'ai envie d'attendre un chouïa, genre... 17 heures pour voir. Et puis pourquoi pas voyager de nuit tranquillement. Donc il y a bien des brigands. Putain, ça m'a fait passer déjà, ça m'a fait passer toute l'heure. Hein? Putain de.
à saisir la torche parce que vous allez rien voir. Torche à cheval. Ah, ça marche. On voit quand même pas grand chose, mais. Déjà ça, très bien. C'est beau la nuit aussi. Sans NB, c'est honnête. Je préfère quand même le jour, hein, faut pas déconner. Donc, alors attendez. Il est 10h de la nuit, on va rajouter 10h en plus. Ça sera peut-être 8h du matin, il me semble. 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah non, 9h, je me suis trompé. Je me suis trompé. Très bien. Oui, mon cheval, je suis sur mon cheval, très bien. J'ai plus besoin de cette torche. Parfait. Alors, c'est ici que je dois aller. Tagadak, 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 tagadak. C'est vrai que j'ai pas l'habitude, mais c'est. Là, c'est. Sauter, c'est E et pas la barre espace. Très bien, alors c'est ici que je dois aller. C'est ici! C'est la suite de notre aventure. Très bien. Voyons. On y voit aussi bien que dans le cul d'un orque. Torche, merci. Ah oui, là on voit mieux. Alors bien le bonjour. Ça va l'air, mais cet endroit est vide. Ah non, il est là. Bonjour. Je suis frère Joffre. Que voulez-vous ? Je vais vous apporter l'amulette des rois. C'est impossible. Personne, mis à part l'empereur, n'a le droit de toucher l'amulette. Montrez-moi ça. Donnez la lunette à Joffre. C'est l'amulette des rois. C'est ce que je te dis. Comment avez-vous obtenu ceci? Que savez-vous de la mort de l'empereur? Qui es-tu? Comment as-tu obtenu ceci? Que connais-tu à propos de la mort de l'empereur? C'est bugué. Hein. Ah, citer le dernier mot de l'empereur. Je vous crois. Même si votre histoire semble un peu bizarre, seul l'étrange destin d'Uriel Septime aurait pu vous mener à moi avec l'amulette des rois. Qui est le prince de la destruction? Le prince de destruction auquel il a fait référence n'est autre que Merun Dagon. Ouais, c'est ça. Seigneur du monde démoniaque d'Oblivion. Celui qu'on affronte dans The Elder Scrolls Online. Heureusement, des barrières magiques protègent le monde des mortels du Dédra d'Oblivion. Comment Oblivion peut-elle nous menacer? Je ne suis pas sûr. Seuls les empereurs comprennent réellement la signification des rites du couronnement. L'amulette des rois est ancienne. Sainte Alessia elle-même l'a reçue des dieux. C'est une relique sacrée de grande puissance. Lorsqu'un empereur est couronné, il utilise l'amulette pour allumer les feux de dragon au temple de l'unique dans la cité impériale. Comme l'empereur est mort et qu'un nouvel héritier n'a pas été couronné, les feux de dragon du temple seront sombres pour la première fois depuis des siècles. Il est possible que les feux de dragon nous protégeaient d'une menace dont seul l'empereur était conscient. L'empereur m'a demandé de retrouver son. Je suis l'un des rares à connaître son existence. Il y a longtemps, j'ai été capitaine des gardes du corps d'Uriel, les lames. Un soir, ah ouais, Uriel m'a appelé dans ses appartements privés. Un petit bébé dormait dans un panier. Uriel m'a demandé de le mettre en lieu sûr. Il ne m'a jamais rien dit d'autre au sujet du bébé, mais je savais que c'était son fils. De temps en temps, il me posait des questions sur le développement de l'enfant. À présent, il semblerait que ce fils illégitime soit l'héritier du trône de Septime, s'il est encore en vie. Alors attendez, oui, parce que j'envoie un message en même temps. Tac, parfait. Où puis-je trouver les fils d'Uriel? Il s'occupe d'Akatosh dans la chapelle de la ville de Kvatch. De Kvatch, au sud d'ici. Vous devez vous rendre sur le champ à Kvatch pour le trouver. J'aime pas le nom de cette ville. Son existence, ce qui semble probable, il est en grand danger. Et n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin. Mes ressources sont limitées, mais je vous aiderai de mon mieux.
Très bien. L'amulette des rois. Sur ici avec moi. Lorsque vous reviendrez avec Martin, nous réfléchirons à la prochaine étape. J'aimerais bien la voir. Assistance. Je conserve quelques objets ici dans mon coffre pour ravitailler les lames en voyage. Prenez ce qu'il vous faut. Où ça? Quel coffre? Là? Je prends tout. Ah non, je suis trop lourd! Très bien. Alors attendez, des flèches en acier. C'est keep. Ça, je comprends pas parce que c'est ça. Ça doit être les dégâts. Quel. En fait, plus tu descends, plus ça fait mal. Donc la clé mort. Ah oui, bah oui. Bah oui. Bah logiquement. Je préfère me battre avec une arme à deux mains en plus. Alors très bien. Ensuite, là j'ai vu qu'il y en avait des boots. Des boots en pierre. La cuirasse bien plus puissante. Qui met plus d'armure. Pas plus d'armure, on s'en branle. Cuirasse en cuir, on s'en fout. Les gantelets, on s'en fout. Putain, j'ai trop de poids. Je dois reposer des items. Non, j'ai pas envie. Tiens, tiens, tiens. Tiens. Mon poids, qu'est-ce qui pèse trop, trop lourd? C'est quoi qui pèse le plus lourd dans ce que j'ai? Tiens. Je peux me déplacer? Ah, ouais, mais il me faut. Je vais jeter quand même encore un peu. Donc, genre ça, ça, ça. Ça, 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 ça. Voilà, on se débarrasse de plein de choses. Et bon, on peut se déplacer. Oula! Eh bien, Borus. Les lames, Martin. Et mes runes d'Agon. C'est qui déjà? Éternel ennemi de toute forme humaine. Il était impliqué dans le complot de Jagar Tarn contre l'Empire il y a plusieurs années. Je ne suis pas étonné de le voir impliqué dans ce désastre. Très bien. Et feu de dragon. Le couronnement de chaque nouvel empereur est finalisé lorsqu'il utilise l'amulette des rois pour allumer les feux de dragon dans le temple de l'Unique. Les feux de dragon d'Akatosh restent allumés jusqu'à la mort de l'empereur. C'est son successeur qui les rallume lorsqu'il monte sur le trône. Puisque l'empereur Uriel est mort et qu'aucun successeur n'a été couronné, le temple de l'Unique sera sans lumière pour la première fois depuis des siècles. D'accord. Conseil des anciens. Le chancelier, Akato, machin, voilà. Nous sommes pas finis, d'accord. Ok. Borus. Et assistance, ok. Bien, on avait tout ce qu'on avait à faire avec lui. Putain, y a pas de truc intéressant. Que dalle! Bien, rochon. Alors, normalement, il y en a mon notre cheval devant. Oula, oula, c'est quoi ce temps de merde là? Où est mon cheval? Un orc. Il est où mon Tageda? C'est lui? Ah, il est là-bas, le bien. Bien, on va monter sur notre cheval et on va attendre qu'il fasse meilleur que ça, quand même, si vous y aller. Genre, on va attendre 4 heures, non 2 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Est-ce qu'il se sera arrêté de pleuvoir? Ah non, c'est toujours la merde, encore 2 heures de plus. Bon, ça, c'est pas une averse qui va durer 4 heures. Putain, les œufs averses, hein. Bon, bah on ira comme ça alors, très bien. Gardons la torche en main. Et la bite et le couteau. Très bien. Par où on peut aller? Comment passer surtout? Étudions la situation. Je dois aller où? Où se trouve ma quête? Quête en cours, carte.
Gvatch. Gvatch. C'est là. Et moi, du coup, je suis ici. Donc, je peux descendre comme ça. Arriver à Skingrad. Et après, enchaîner sur Vatch. Donc, on peut traverser en partant de la forêt. Enfin, de là. Très bien. Allons-y, alors. Faisons comme ça. Traversons de la forêt. Il pleut. Donc, la pluie, donc, elle est comme ça, de base, hein. Je laisse un petit peu vite fait le jeu de base, tant qu'il pleut. Quoique. Le jeu comme ça est bien plus beau. Bien plus beau que le jeu de base. Ça, mon cheval, t'inquiète. Putain, tant mieux qu'on en a eu un de cheval en vrai. Enfin, que j'ai réussi à en voler un, parce que c'est le feu, hein. C'est pas aussi craqué que sur Skyrim, je vous l'accorde. Mais c'est quand même très très bien. Tagadak, 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 tagadak. Un temple encore. Bon, on a assez donné pour les temples. J'ai pas envie de retourner d'ail, quoique maintenant je suis armé en fait. Vite fait de faire le tour à la limite. Wendir. Je crois que ça doit être un endroit avec un boss, un type un peu les dragons dans Skyrim, donc j'ai pas envie de le faire. Un rochon à la ville là-bas. En même temps, si je peux lire un peu mes quêtes. Livrer l'amulette, évasion. Alors ça c'est quête terminée, c'est quête en cours. Tout ça on s'en branle en fait. Bon, on fera les quêtes secondaires après. Dommage que ça soit en anglais. Je vais essayer de régler ce souci. Hein, le fait que c'est... Merci la moto, ça fait toujours plaisir. Putain, il y a un loup. Du coup, merde. C'est celle-là qui se passe à Dvatch. Celle-là là, qui est importante. Le reste, on s'en branle. Bon, après celle-là, on va aller sûrement papillonner pour voir un peu, pour essayer de faire les autres. Parce qu'on va éviter de trop rush la quête principale, parce qu'après on va tomber vraiment sur un os et on va se faire défoncer. Donc entraînons-nous avant, chopons un peu de stuff et après on ira faire ça. Tagadak, 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 tagadak. Parce qu'il me semble qu'après ça nous envoie direct en Oblivion. Et c'est un peu la merde. Parce que le Oblivion c'est chaud. Ennemi froche encore. Tout ça parce qu'il y a trois loups. Je l'ai pas encore tracé le loup, c'est ça qui est étonnant. Tagadak, tagadak, tagadak. Parfait. Du coup on va attendre 22. 2 heures. Parfait. Juste pour essayer de faire passer cette pluie. Parce que bon. C'est sympa, hein, mais bon. Je ferais, si je peux éviter d'avoir l'averse pendant, pendant 10 km. Parce que je voulais pas voyager de nuit, mais bon là. Très bien, 11 heures, ça sera très très bien. Voilà, je voulais pas voyager de nuit. Ça commence à devenir chiant. F12. Ah oui, oui c'est bien. Là. Il fait toujours pas beau, hein, mais bon. Tegelec, tegelec, tegelec. La troisième personne est tellement dégueulasse. Par contre, la troisième personne est vraiment dégueu. Moi, je me prenais toujours avec ma torche, moi. Alors, c'est pas aussi craqué que sur Skyrim, les dadas. Oh, putain, encore. Non, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de m'attarder sur vous. J'ai une quête qui m'attend. Je sais pas s'il y en a des niveaux dans Oblivion. Il me semble que t'as pas de niveau et que ça augmente juste avec tes armes en fait, tout bêtement. C'est possible que je me trompe, voyons voir. Race impériale, niveau 1. Ah si, j'ai 10 niveaux. D'accord, et comment je vois mon XP? D'accord. J'ai bien des niveaux et tout, ok très bien.
Bon à savoir. Alors. Tagadak, tagadak, tagadak. Alors oui, ça c'est fou, hein, mais c'est l'ENB qui fait ça. C'est quand on est trop loin du... Quand on est trop loin, on voit pas distinctement, ce qui est à la limite normal. C'est un lieu de culte. Très bien. J'ai pris peur, je me suis dit, j'ai entendu là, j'ai la musique, c'est fermé en fait. C'est éteint, je me suis dit merde. Ça va être la merde, et en fait non, ça va. Tegedek, 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 tegedek. Je savais de télécharger un texture pack pour ce jeu. Oh. En. Mon cheval, t'es sérieuse? T'es réellement en train d'attaquer mon cheval là? Non mais où? Qui se barre, hein. Je regardais, hein, mais voilà. Alors, ouais, on peut tout prendre, on s'en fout, bah, c'est parfait. On peut dormir, pas réellement important, hein, mais je peux le faire. Bien, allons-y. Enlevons ce torche qui me stresse. D'hiver, torche, on enlève comme d'hab. Ah, ça me stresse de ouf la torche. Ouais, alors pourquoi je recherche pas ma vie? Parce que pour l'instant je considère que j'en ai pas besoin. J'ai voulu sauter, j'ai encore appuyé sur espace, mais ça a pas marché. Du coup, ça m'a fait sauter du cheval. Alors, c'est ça, apparemment, Knarf. Knarf. C'est vraiment une moche comme nom de ville. Tegedek, 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 Tegedek. Je suis content, moi, ça c'est les moments que je préfère dans les Elder Scrolls, c'est le fait de se balader quoi. Parce que dans Skyrim, tu peux juste te TP en fait, et tu connais déjà, quand tu connais toute la map, voilà, vu que tu dois te TP et tout. Dans Oblivion, il semble quand même qu'il y a la TP, mais c'est moins présent que sur Skyrim, il y a beaucoup plus d'exploration. Parfait, ça me donne toujours un petit boost. On aime, on prend. Alors, c'est ça, car... Il y a des arbres vachement détruits. Ça n'a pas l'air d'être une ville super accueillante non plus. Hein. C'est tout détruit. C'est tout détruit, j'en reviens pas. Je ne parle plus. Hein. Attends. Il y a une ferme. What? Pourquoi c'est tout anéanti? Allez! Parfait, ça monte. Tagadok, il monte. On va l'appeler Tagadok, ce cheval, j'aime bien. C'est un fidèle d'estrier, il tient bien. The fuck? Pourquoi tout a brûlé? Portail d'Oblivion. Alors oui, putain, c'est vrai. Je m'en souviens. Mon Tagadok, pardon, tu vas avancer encore un an. Putain, il pleut en plus. Oh, on va avoir que dalle. Bon, bah, on y retourne dans le truc. Prends une torche. Parfait. Portail d'Oblivion. On restera. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que... Suivez les ordres de Savlian et... D'accord. Écartez-vous, civils.
Nous avons perdu le contrôle de cette fichue ville. Voilà ce qui s'est passé. Tout ça s'est beaucoup trop vite. Nous avons été pris de vitesse. On n'a pu sauver personne. Il reste encore des gens coincés. Certains ont réussi à rejoindre la chapelle. Mais les autres ont été abattus dans la rue. Le comte et ses hommes sont toujours au château. Et maintenant, on ne peut même plus retourner en ville pour les aider avec cette fichue porte d'Oblivion qui bloque le passage. Qu'allez-vous faire maintenant? C'est la seule chose qu'on puisse faire. On va essayer de résister. Voilà ce qu'on va faire. Si on ne réussit pas à maintenir cette barricade, ces monstres risquent de prendre le contrôle du campement. Je dois tenter de protéger les quelques civils qui restent. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. Aider. Vous voulez nous aider? Vous plaisantez, non? Si vous voulez vraiment faire quelque chose, j'ai peut-être une mission à vous confier. Mais vous risquez fort de ne pas en réchapper. C'est sûr? Ah bah oui! Je vois ce que je pourrais. Je ne sais pas comment fermer cette porte. Mais ce doit être possible, puisque l'ennemi a fermé celle qu'il avait ouverte lors de l'attaque initiale. On voit les marques qu'ils ont laissées au sol, avec la grande porte juste au milieu. J'ai envoyé des hommes à la porte pour voir s'ils pouvaient trouver un moyen de la fermer. Ils ne sont pas revenus. Si vous pouvez y entrer, découvrez ce qui leur est arrivé. S'ils sont vivants, aidez-les à terminer le travail. Sinon, voyez ce que vous pouvez faire tout seul. Tout ce que je peux dire, c'est bonne chance. D'accord. Bonne chance. Bien. Alors, on doit déjà aller dans Oblivion. Si vous avez besoin de quelque chose... On doit déjà rentrer dans Oblivion. Alors, attendez. Parce que là, ça va être la merde. C'est ça que je dois faire. Break, le siège, le canne. C'est long de sauver le monde. Allez, on y va. Dans la porte d'Oblivion. On n'est pas dans la merde. Bien le bonjour. Il reste des hommes survivants. Faut se battre, je m'occupe de l'autre. Tiens. Il est sérieux, lui? Béni soient les neufs. J'ai perdu tout espoir de revoir un visage amical. Les autres, pris, ils ont été emmenés à la tour. Ça, qu'est-ce qui se passe? Mathius nous avait demandé d'essayer de refermer la porte. Nous avons été piégés et attaqués les uns après les autres. J'ai réussi à m'échapper. Mais les autres sont éparpillés sur le pont. Ils ont emmené Ménian dans la grande tour. Vous devez le sauver. Je ne reste pas ici. Oh, le bâtard, il se foire. Vous avez raison. Vous avez raison. Je ne peux pas abandonner le pauvre Ménian à son sort. J'aurai besoin de ton aide. Nous devons essayer de le sauver. Très bien. Passez devant. Trouvons Ménian et sortons d'ici. Quand même ! Premier allié de l'aventure. C'est un mec qui se cague dessus, mais... Premier allié de l'aventure quand même. Très bien. Par contre, il se cague réellement dessus. Bien, alors c'est ça, c'est donc ça, Oblivion. Qu'est-ce que ça donne en... Ah, c'est, je trouve, un peu plus classe quand même sans le NB. Quoique, non, ça va. Peut-être désactiver le NB juste pour cette phase-là. Pour que vous puissiez voir quelque chose. Parce que vous verrez mieux. Bam, ça touche. Un peu d'or. Un cocon. The fuck.
Comment je le sens trop mal. Comment je sens qu'il va mourir notre collègue. Fais attention à ça. Alors attendez, parce qu'on va s'équiper d'un arc en favori. Merci, parce que là, sinon, ça va être trop la merde. Alors. Ça hit. On va essayer de taper un peu à l'arc. Très bien, allons-y. Bon, on travaille un peu l'arc, mais c'est pas trop notre fort non plus. C'est vachement le bordel, il n'y a pas trop de. Il y a pas trop de zik, c'est le. Oblivion, c'est un peu là. Il fait quoi? Attends, t'es un fou, hein? T'es un fou, attends, reviens. T'es pas bien toi de tracer, hein. Quel est votre plan? Je vous suis. Il a plus de vie. Ah, c'est qu'un diablotin. Eh bien. On va lui demander d'attendre là. Faut savoir si c'est que un diablotin, je peux le gérer tranquillement. Si je passe, j'aimerais bien éviter qu'il meure en fait. Ça, il gêne un peu. Très bien. En demandant à notre collègue de venir. Meurs pas. Fais pas ton con. Je vous suis. Fais pas le con, faut pas que tu meurs, Roger. Très bien. Si tu tiens à tes gosses et tout, tu fais attention. Bien, allons-y. Ouf. Ma mine droite qui me fait pas trop plaisir. Putain, il a vraiment plus de vie. Non! Oh putain, oui, la régène. Cœur d'Aedric, on faut prendre. Hein. Les cœurs d'Aedric, c'est important. Pour faire l'armure d'Aedra, si ça fonctionne comme dans Skyrim, ça peut être toujours ultra intéressant. Mais il faut papillonner. Papillonnage. Par là. Activons le NB. Quoique avec vous voyez mieux. Mais il se fait défoncer à ma place. Parce que là, je pense que je serais mort déjà plein de fois. Petite boule de feu. Non, une heure. Parfait. Hein, pas 22 heures, vous êtes fous. Bien, allons-y.
T'as un jeune toi aussi du coup j'imagine en l'air. Parfait, t'es full life. C'est le zbeul hein, un peu ici. C'est pas full beau. Hein. Corsaire un peu. What? Celui-là. Ok, Mimi MJ. Reste encore une toute petite demi-heure et après on switch. Alors attends. Viens. Ça, de toute façon, tout va se passer derrière cette porte-là. C'est officiel. Il m'a fait trop peur, je me suis gagué dessus. Hein. C'est officiel, tout va se passer ici. Hein. J'ai entendu un bruit de bouclier. Putain, il y a des pics. Putain, il y a des pièges. Je vais laisser se tuer entre eux. Tiens. Quoi? Billy. Attends. Ah non! Putain. La mort. J'ai cru qu'il... Mais attends, mais il a die, notre collègue. Alors, je suis désolé, vous n'allez pas voir grand-chose, mais là, il faut que je me batte. Je te laisse t'en charger. Ok, ça se cache derrière cette porte. Je sais pas ce qui nous attend. Ça risque de puer, donc fais gaffe. Il y a un pont. Vaut mieux pas ralentir le pas si on veut pas que nos bonnes hommes soient torturés trop longtemps. Donc, allons-y. Ah! Ah bah c'était nos hommes. Vite, on n'a pas le temps. Vous devez aller jusqu'au sommet de la grande tour. On l'appelle le garde des sceaux. Trouvez la pierre sigillaire. Retirez-la et la porte se fermera. Vite, le gardien à la... Et toi ? Non, tu vas mourir. Putain, merde. Je veux pas le safe, faut descendre. C'est bien là qu'il faut prendre. Putain. C'est pas en dessous. En haut de la tour, il a dit. Ça veut dire que les mecs qu'on a vu pendus là, c'était des hommes à nous? Merde. D'accord, donc en fait les hommes qui étaient pendus qu'on a vus là, c'était bien les miens. Et non, je dois monter, qu'est-ce que je fais moi? Je descends. Putain, c'est des humains qui crament. Alors c'est très métal hein, comme endroit.
Par où il faut passer? J'arrive pas à savoir. Ah bah si, c'était par là. Très bien, montons. Alors. Restons ensemble. J'avoue, t'éloigne pas de moi. Allons-y. On monte hein, petit à petit. On va peut-être réussir à casser ce portail avant la fin du live. Hein ? Tu es faible ! Putain ! Tu n'es qu'un faible ! Tu mourras sous mon épée ! Oh, la vie que t'as perdu. Adieu mon ami. Ça m'étonnerait qu'il puisse t'utiliser. Elle a réussi. Je m'occupe de lui. Non ! Fils de... Elle est où la dernière sauvegarde ? Oh non ! Je savais que c'était une idée à la con ! Non, il est mort. Merde. Attends, chargé. On était où? Avant ça. C'était trop loin. Oh non. Rip. T'es un homme bien. Putain. Bad luck, je vais devoir finir le niveau tout seul. Oh merde. Ils ont osé buter mon allié. Putain de merde. Le sol a bougé. Ouais. Putain, qu'est-ce que c'est métal. Ça, c'est avec le NB. Ça rend métal de ouf, c'est beau, hein. Ah, je veux quand même 100, mais... Tu sais ce que j'ai appris à l'école de magie? C'est qu'il faut tuer des invocateurs en premier. Heureusement, tu te laisses pas faire. T'es ouf, fils d'up. Pour Frodon. C'est chaud en vrai. Hein. Ce qu'on est en train de produire là. Putain mais regardez, c'est de la peau. C'est de la peau d'humain. Détruis-moi ça. What? Ça, je m'en rappelais plus. Quête mise à jour, arrive classé. On a fermé la porte.
Ouais. Alors attendez, parce que maintenant on voit Chi. On est où? On est devant la ville, d'accord. Malheureusement, je suis tout seul à m'en être Vous avez sorti. fermé la porte. Je savais que vous réussiriez. C'est le moment de lancer une contre-attaque. J'ai Allez-y! besoin que vous veniez avec nous. Vous avez beaucoup plus d'expérience au combat que ces hommes. Pouvez-vous vous joindre à nous maintenant? Je peux attendre, mais pas trop longtemps. Nous devons faire vite avant qu'ils aient une chance de barricader la porte de la ville. Je suis prêt, en route. Mais dans 2 heures. Enfin, on attend 6 heures, 8 heures du matin à la limite et on y va. Dix. Parfait. Bah, il pleut encore, mais bien, allons-y. C'est toi, on peut remettre le NB. Peut remettre le NB, on peut remettre le NB. Pénétrons dans la porte et allons voir. Alors, putain, ça spam. Ya! Hu, ah, hu, ah, hu. Oh, je suis dégoûté que mon pote y soit mort. Pour Frodon, je le vengerai. Il l'a défoncé à l'arc. Oh, une masse démoniaque! Ah, oh, c'est le feu, je prends. Je prends, je prends. Allons-y. On va quand même rester en mode. On va rester quand même en mode normal. Histoire que vous puissiez voir, parce que j'ai l'impression que la NB sinon. Comment c'est là-dehors? On commençait à craindre qu'il n'y ait pas d'autres survivants. Mais si. Le frère Martin? Oui, il est là-bas. Il nous a conduits jusqu'ici au moment de l'attaque. Nous lui devons la vie. Je vous écoute. Joliment fait. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. C'est vraiment gentil à vous. Cela devrait vous... Merci. Vous voyez, c'était difficile. Je ne marche pas. Ne me faites pas rire. Oui, pigez. S'il vous plaît. Non, je regrette. Je vois. Prenez votre temps. Je sais pas trop à quoi ça sert. Prenez soin de vous. Une ville entière. J'essaie de la corrompre pour qu'elle me soit pour qu'elle me swave. Ça a pas bien marché. Où il est, Firmar? C'est toi? Vous amenez de l'aide? Nous sommes piégés ici depuis que les Dédras ont pris la ville. Viens avec moi, tu es en danger. L'empereur m'a demandé de vous trouver. L'empereur est mort. Qui êtes-vous? Alors qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes Martin, le prêtre, c'est Oui, ça? je suis prêtre. En cherchez-vous un? Dans ce cas, je suis désolé, mais je ne pense pas être en mesure de vous aider. Je ne comprends pas très bien à quoi jouent les dieux ces temps-ci. Si tout ceci fait partie d'une stratégie, je n'ai pas trop envie d'y être mêlé. Il y a un plan, nous en faisons partie. Dieu bon, nous avons besoin de votre aide. Venu me demander de l'aide. Vous êtes encore plus bête que vous n'en avez l'air. Regardez autour de vous. À quoi sert un prêtre? Vous êtes le fils d'Uriel Septime. Uriel Septime? Vous pensez que l'empereur est mon père? Non. Vous vous adressez à la mauvaise personne. Je suis un prêtre d'Akatosh.
Mon père était fermier. Les drailles, le dernier drailles. Ah vous êtes, l'empereur savait que vous étiez chez Orme. L'empereur avant sa mort, et il vous a dit de venir me trouver. Pourquoi vous mentirais-je? Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que vous dites la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous me voulez? Venez avec moi, prieur de Waynon. Je suis désolé, même si ce que vous dites est vrai, je ne peux pas abandonner ces gens à leur sort. Je vous accompagnerai lorsque nous pourrons tous partir ensemble. Très bien. Si c'est que ça... Prenez votre temps. C'est un peu excessif, vous ne trouvez pas? D'où est-ce que vous tenez ça? C'est bon, ça? Je ne peux pas dire le contraire. Ne me faites pas rire. Je ne peux pas dire le contraire. Vous racontez n'importe quoi. Je doute que vous le pensiez vraiment. C'est vraiment drôle. Ça ne m'impressionne pas du tout. Merde! À quoi ça sert du coup de corrompre des gardes? Nous avons écrasé ces ordures. On peut sortir les gens de la chapelle en toute sécurité. Entrons pour vérifier qu'ils vont bien. Venez, la bataille de Kvatch ne fait que commencer. Nous pourrons discuter de la phase suivante une fois que les civils seront en sûreté. Eh bien, allons-y. Au rapport, soldat. Il n'y a plus que nous, monsieur. Berichignan, moi-même et ces quelques civils. Ça y est? Il n'y a plus personne? Il y en avait d'autres, monsieur, mais ils ont refusé de rester tranquilles. Nous avons essayé de les convaincre que c'était dangereux, mais ils sont partis quand même. J'imagine qu'ils ne s'en sont pas sortis. Très bien. La zone autour de la chapelle a été nettoyée et tous ces gens doivent être mis en sécurité. Escortez-les immédiatement jusqu'au camp situé au sud d'ici. Parfait. Mais monsieur, je veux vous aider au combat. Vous ferez ce qu'on vous dit, soldat. Une fois qu'ils seront en sécurité... Le secteur est dégagé. Au revoir. Le secteur est dégagé. Prenez votre temps. Je ne sais pas à quoi ça sert. J'irai voir sur un forum à quoi ça sert. On a réussi. Fait du bon travail, mais ce n'est pas le moment de se congratuler. Il reste encore beaucoup à faire. Nous devons aller jusqu'au château. C'est là que doivent être le comte. Allons-y. Notre objectif est la. Bien, on doit aller jusqu'au château, donc de l'autre côté. Là. Passons le château et arrêtons là pour aujourd'hui. N'oublions pas de sauvegarder, bien sûr. Ouais. Sérieux de m'avoir ignoré comme ça, c'te... Putain. Il m'a full ignoré, il me passe à côté. Il m'a regardé, genre, il passe à côté en mode bas les couilles. J'en reviens pas. Diablotin de merde. Respecte-moi au moins. Non, on ferme ça, allons-y. Nous devons aller jusqu'au. Non, armons-nous d'arc alors et tirons. Il faut prendre en compte la tombée de la flèche. C'est un peu compliqué. On peut s'en sortir.
parfait, ce mort. Ils sont morts. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Les portes sont fermées à clé et on ne peut les ouvrir que de l'intérieur du corps de garde. Bon. On ne peut pas ouvrir cette porte d'ici. Le seul mécanisme qui permet de la soulever se trouve dans le corps de garde. Maintenant, pour rejoindre la porte, nous devons emprunter le passage du bâtiment nord des gardes, mais il est toujours fermé à clé. Dépêchez-vous d'aller voir Berichinia. Vous le trouverez normalement à la chapelle. Vous devrez avoir la clé du bâtiment des gardes. Une fois que vous aurez la clé, rendez-vous au bâtiment des gardes. Trouvez le passage et ouvrez la porte. Nous pourrons alors entrer dans le château et nous en rendre maître. Bien. Alors, on va sauvegarder. Réelle sauvegarde cette fois. Sauvegarde effectuée, merci. Quittons le jeu. Donc, la première partie sur Oblivion est terminée, les amis. Contrôle Alt Sup. Voilà. Alors, la première partie sur Oblivion est terminée, les amis. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va passer là-dessus. Du coup, c'est un nouveau layout, ça, mais je le veux pas. Alors, attendez, je change vite fait de layout. J'en ai plein, de toute façon. Celui-là, je veux. Merci. Voilà. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer complètement de jeu. Et on va jouer au policier Delgado. Ça va être le feu. Top, là, non ? J'en suis là. Hop. Donc voilà, je mets juste une pause de temps. Ne vous inquiétez pas. A de suite. Je vous mets de la musique en même temps. Chut. ASMR. Attention. 3, 2, 1. Ça arrive. Oh là là. We'll be right back.
Rebonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, donc on a dit qu'on allait faire du Roblox. On va faire la patrouille de l'extrême. C'est la patrouille de police. C'est très déstabilisant de m'entendre en double. Mon cœur. Très bon. La patrouille de l'extrême. On m'entend en double. Bah, elle va pas m'entendre. Mais c'est normal parce qu'on t'entend, toi. Bah oui. Comment il s'appelait le jeu Comment il s'appelait le jeu de... Bah tu m'écoutes sur Discord. Comment il s'appelait le jeu de prison? Je m'entends encore en double. Je peux pas faire en sorte que je m'entende pas? Ouais. Tiens. Ouais, c'est normal parce qu'en fait, on entend ton son. Mais sauf qu'en fait, ouais, c'est parce qu'en fait, je t'ai coupé le son de. Parce que je voulais entendre le live et du coup, ouais, j'avais. Mais t'as du retard en fait sur le live. Hein? T'as du retard sur le live. Oui, j'ai un retard sur le live, oui. C'est normal. T'entends décalé et tout, ouais. Du coup, faut qu'on retrouve le jeu de prison. Lequel, celui auquel on avait joué et qu'on... Le premier. Les trucs par cœur, là. Ouais, le premier. Oui. Alors. Alors, vous inquiétez pas, les gens, ça arrive. Normalement, t'as un historique en fait. Comment on voit l'historique? Normalement, t'as un truc de ce que t'as joué dernièrement en fait. Où ça? Mais non, patate crue. Donc le tout premier qu'on a joué? Ouais. Au pire, tu cliques. Attends, je vais cliquer sur tous les liens et puis je trouverai bien au bout d'un moment. Hein.
Mais je sais pas si je te l'avais pas envoyé sur autre chose que sur Roblox en fait, sur tout ça. Je l'avais pas envoyé sur Skype. Bah au pire fais ceux de Skype et moi je fais ceux de Roblox. Parce que là j'ai Prison Life, mais ça c'était celui-là. C'était pas celui-là. Hein ? C'était pas celui-là ? Je crois pas. Mais c'était pas un murder sur celui qu'on avait joué ? Non, murder c'était après. C'était avant même. C'est bon, j'ai. Tu as ? Ouais. T'es sûr que c'est le premier ? Ouais. Ok, bah je te l'envoie sur Roblox. Roblox. Ah tiens, il a été mis à jour en plus. Ah, ça c'est bien ça. Bien. Alors, on dit pas ce qu'on est. Et non, on fait la patrouille de police de l'extrême. Donc je dois me mettre en police. On se met en police et on va chasser des criminels. Ok. Ok ta mère. C'était où? C'est ça les musiques. Faut que je mette la musique derrière en même temps. Non, vraiment pas fort. Tu me dis quand je lance? Vas-y. Ok. Normalement, ça va me démarrer. Très beau Dragon Ball au passage. Ah, je sais. Ah, là-dessus, il y a du travail. Ah, c'est de l'autre côté. Là-dessus, il y a du travail. Bon, ça me upgrade. De quoi? Ça me upgrade Roblox. T'as pas changé ton titre de live, si? Ou alors c'est parce que j'ai pas actualisé? Ah si, j'ai pas changé. T'as pas changé? Tu m'y as pas fait penser, j'y ai pas pensé du tout. Ouais. Communauté, bon, on va mettre Indie Game. C'est bien ce qui me semblait. Communauté Indie Game, jeu Talk Show. Et la patrouille de l'extrême. Je reviens. Vas-y. Indie. Il n'y a pas de truc pour mettre des. Pas un truc Roblox à la limite. Ah, mais si, il existe! Parfait. Ouais. Même sur Twitch, il y a un truc Roblox. Communauté oui. Roblox, du coup. Ah, bah parfait! Je sais pas pourquoi, mais ça me lance pas là, j'ai un peu de mal à la. Normalement, c'est parce que t'as ça, voilà, très bien. Voilà. Non, t'as une mise à jour de Roblox. D'accord. C'est ce que je viens de faire à l'instant. Alors, comment je vais faire pour stream ça? Parce que j'ai pas essayé. Il va falloir faire. Capture de jeu. Normalement, ça devrait s'afficher. Oui. Marche. Je me rends compte qu'en fait, j'ai un énorme décalage parce que sur le live, ça marche. Ah mais pas c'est ici. Normal. Tu dois avoir une seconde normalement de décalage sur le live. Non, je vois pas le jeu donc. Pas c'est normal. Le jeu, il est pas encore. Ah. Ouais, c'est bon, je vois. Il y a un truc qui est en train de gêner en haut, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est bon. D'accord, c'est la croix dans Roblox. Voilà, c'est bon, moi j'y suis, hein, dans le jeu. Enfin, je suis en train de me modéliser. Ça me charge. Bonjour, I'm Sekpa. Bienvenue sur le stream. Ah, voilà. Je me suis mis le chapeau, mais ça transperce mon crâne. Alors ah, bah oui, c'est normal. Ça part en couille le chapeau. Moi, ça me loadingue. Ah, parfait. Quoi? Ça me loadingue. C'est bon, je suis là. Non, enlève le chapeau. Je suis là. Faut attendre. Oh, mais j'ai l'air stupide maintenant. Tout est relatif, hein. Faut attendre que ça me fasse spawn.
Y'a pas moyen que ça fasse spawn plus vite. Hein? Y'a pas moyen que ça me fasse spawn plus vite. Ah non, ça m'a fait commencer à emprisonner. C'est bon. Là. Il faut qu'on aille en police. Du coup. Je suis là. Je viens d'apparaître, c'est moi. Bonjour. Tu viens d'apparaître où? Oula. Ah non, j'étais pas au bon endroit, ça m'a fait spawn de l'autre côté. Là, je suis à la ville dehors. Ah. Prends le fusil à pompe. Et dehors de la prison ou dehors de la ville? Dehors dans la ville. Alors je prends la voiture et je viens de chercher la prison. Comment ça va? C'est quoi ce jeu? Alors ce jeu... alors attends, parce que... dont le son est très très fort. Pardon. Voilà. Alors, ce jeu c'est Roblox. Donc, c'est tout... En fait, qu'est-ce que c'est Roblox? C'est un outil de sandbox, plus précisément. Et en gros, là, ben, je t'ai dit que j'ai pas spawn à l'endroit, je suis en train de venir te chercher. Mais je suis derrière toi, je suis en train de te courir après. Non, c'est pas moi. Moi, je te dis, je suis non, dans la ville. C'est pas toi. Je pense que je comprenais pas. Je viens te chercher. Et donc ce jeu là, c'est en gros un style de jeu. En gros, on est les policiers contre les prisonniers et on doit essayer de les tenir le plus possible dans la prison. Sauf qu'il y en a beaucoup qui s'échappent à chaque fois, donc c'est la liste des criminels que tu veux voir. Et aujourd'hui, on va aller chasser du criminel et en arrêter le plus possible. Donc je suis à l'entrée. Où es-tu? Je suis à l'entrée de la prison. De la prison, à la sortie. Ah, t'es là. Attends, j'arrive, je me glisse, comme les prisonniers. Vas-y, c'est gratuit, je peux jouer. Oui, c'est complètement gratuit. Roblox, c'est complètement gratuit, hein. C'est trouvable sur internet très facilement. Alors. Oui, en plus, c'est gratuit. J'ai l'impression que ça prend pas trop de place parce que j'ai vraiment un ordi de merde. Non, ça prend pas de place. Il y a énormément de jeux. Ça passe du Murder de Garry's Mod à ça. En passant, il y a du Mario Kart. Il y a énormément de. Il y a tous les concepts. Contre, la maniabilité de merde, mais par contre, on a trouvé par exemple des jeux sympas comme, tu sais, Pokémon. Il y a le Pokémon qui est très très bien, il y a le Mario Kart que j'ai adoré. Tu roules pas dans le... Ouais, voilà, tu roulais pas dans le... T'inquiète. Tu nous emmènes où? J'essaie d'aller dans la ville. Parce qu'il va falloir qu'on chasse. C'est le but d'aujourd'hui. Merci du follow. I'm Sekpa. Bienvenue dans la famille. Ouais, ils sont là, tu les as vus. Si ça tire, tu tires. Sinon, tu t'approches. Ça tire. Tire dessus. J'ai pris les balles. Hein. Ah, mais attends, mais ils sont contre nous, eux. Viens dans la voiture. Oui, bon, c'est bon, j'arrive. Attends, mais il arrive, c'est pour ça que je te dis ça. Grimpe. Ok, il nous manque une arme. Il nous manque une arme essentielle. Je sais ce qu'on va aller faire. Ah! Attends. Mais. Je t'attends. Et tu peux pas. Tu peux pas les choper si t'es dans la voiture. Ah! Qu'est-ce que t'essaies de faire? Ah! Vas-y, dans les hélicos, c'est des flics, hein. Tu fais quoi? Tu vas où? T'inquiète, je sais ce que je fais. Allez, roule, papy, roule. Ok, donc on va aller au marchand d'armes. Bon, j'ai éteint là, ça. Parce que tu te rappelles, hier, on avait des mitraillettes là-bas. Mais tu vas où? Ben, je vais chercher le marchand d'armes parce qu'on avait des mitraillettes hier là-bas. Attends. Alors, pour venir nous join, je balance le lien du jeu sur le chat. Au moins, vous pouvez rejoindre notre serveur, c'est ça. Ah, t'es sérieux, t'as volé l'hélico? Ouais. Oh, ouais, c'est le feu. Oh, ah non, monte. Mais c'est moi qui voulais conduire. Attends, bah, on va au marchand d'armes et après je te laisse conduire. Faut juste qu'on trouve où c'est. Mais ouais, par contre, oui, voilà, vise bien parce que du coup, il faut que je les tue en fait. Parce que j'ai droit à l'arme, moi. Lui, c'est un méchant. Non, j'ai sauté! Mais t'es stupide! C'est bon. Tout est sous contrôle. C'est fait par des professionnels. Lol. Là, en bas, tu en as loupé un! Mais c'est pas grave, je cherche le marchand d'armes.
Là, c'est ça. Mais je m'en fiche du marchand d'art. Mais non, au moins on a des calaches. Bon, allez, pose-toi, bouge. Je sais pas où il est. Je sais pas. Bon, bah, on va chasser en fait. On va prendre garder le fusil à pompe, mais ça va être chaud. Bon, par contre, ouais, j'ai l'hélico un peu. En dessous là. Qu'est-ce que tu fais? Tire. Mais oui, mais si tu me vises pas, je peux pas tirer moi. Mais je me cale pour que tu puisses voir. Voilà, la moto, là, la moto. Tu me fais pas viser. Hein. Il fait quoi lui? Bah, il a cru qu'on était peut-être des méchants. Je vais arriver pour, sur le jeu, je pourrais vous rejoindre. Si t'arrives à nous choper, ouais. Oh putain. Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'anticiper la moto. T'as sauté? Ouais. Elle est sérieuse? Pourquoi t'as sauté? Bah parce que... Je suis pas sûr qu'on va réussir à rattraper quelqu'un. Et il faut qu'on le tase en vrai. Hein. Faut qu'on le tase et qu'on l'envoie en prison. Oh, il est là. Fils de pute. Ah, il a pris des dégâts, il a plus vie. Tire dessus, hein. Hein? Tire dessus, hein. Mais t'inquiète. Au secours! On me tire dessus, moi. Quoi? On est en train de me tirer dessus. Ah, fils de pute. Tu m'as niqué ma race. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Ah bah attends, mais il y a l'autre, tu sais, la voiture multicolore. Ouais, mais le truc, c'est que ça, je peux pas forcément l'avoir. Quoi. Ah putain, il m'a eu. Et t'es mort? Oui. Mais je te dis, ça fait 1h30 que je te dis, il y a un mec qui me tire dessus à la voiture multicolore. Non, il a une moto multicolore. Non, il avait une voiture juste derrière. Ah, j'arrive à la ville. J'ai spawné à côté, non, c'est bon. Je t'ai... Non. Attendez, on va voir si je peux pas augmenter peut-être la luminosité. Ouais, c'est bon, je l'ai arrêté. Ah, fils de pute. Ah, non. Putain, il m'a eu. T'es morte? J'en ai eu deux quand même, hein. C'est pas mal. J'en ai eu deux. On peut pas augmenter la luminosité, du coup. T'es où, Matt? Je suis toujours au même endroit là en dehors où j'ai spawn tout à l'heure. Alors attendez, je vais juste essayer d'augmenter la gamma. Alors voyons vous. T'es où? Je vais arriver à la ville. Je suis juste en train de regarder si je peux pas augmenter la luminosité dans le live, parce qu'il fait nuit. Voilà, c'est mieux. Parfait. Ok, j'arrive. T'es où toi? Je suis dans la prison. Ok, je te rejoins à la prison. Hein? Je te rejoins à la prison. Et cette fois, faut qu'on reste groupé. Parce que sinon, on pourra jamais contrôler les gars. Oui, je sais. Je suis à la limite de regarder sur le stream pour voir, parce que je vois moins sur moi que ce qu'il voyait sur le stream. Ah, les prisonniers qui s'enfuient à la porte, hein. Ah bon? Ah bâtard!
suis en train... Il y a un mec qui vient de me voler ma voiture. Ah mais, pourquoi t'es en prisonnière? Parce que... Non, mais tire, Mathieu, mais tire, Mathieu. On a dit qu'on faisait la police d'extrême. Au revoir. Mais sérieux, je vais te poursuivre. Je te trouverai, je te tuerai. Comment je te rejoins? Tu rentres juste dans les policiers et t'essaies de me choper. Hein? Y a dans le chat, ça demande comment je te rejoins. Toujours très peu de policiers, hein. Hein? Y a toujours pas beaucoup de policiers, hein. Non, parce que c'est plus drôle d'être criminel. Ah mais si c'est pas drôle, si c'est pas drôle s'il y a que des criminels et pas de policiers. Hein? C'est pas drôle s'il y a que des criminels et pas de policiers. Du coup t'es criminel toi? Non. Tu restes policier? Ah oui, mais je suis policier pour l'infini. Hein. Du coup tu vas me poursuivre? Je t'ai dit je te trouverai, je te tuerai. T'auras pas le temps. Tu ne me trouveras jamais. Je peux pas la prendre sa moto. Hein? Il y a un mec qui avait une moto, je pouvais pas la prendre. Ah oui, bien, mais c'est quoi comme mode de jeu là? Je suis un puits. J'ai envoyé le lien tuto dans le. Dans le chat du Twitch. Tu cliques dessus, ça va te mettre dans le jeu directement. Et le mode de jeu, bah, c'est juste police contre prisonnier. Tout bêtement. Je trouve t'es morte, hein. Mais je suis en train, là. Je suis en train. Par contre, non, parle pas à toi. Je te vois, je t'arrête, hein. Ah, Matt, tu viens me chercher quand? Je suis en train. Par contre, je te vois, je t'arrête, hein. Et c'est la tôle direct, hein. Là, je suis toute seule, je fais rien. Mais t'es où? T'es dans la ville? Par contre, j'ai une vue incroyable. Oh, j'ai 50 dollars. Oui. Ah putain, je viens de me faire tuer. Ah, je me suis vautré. Bah, moi, je viens de mourir. Tu fais bobo. Je viens de mourir. Hein? Je viens de mourir. Il y a des mecs qui sont en train de braquer la banque, je suis allé et ils m'ont joué. Yo Valentin! Ils ont tous la même gueule. Vous avez toutes la même gueule. J'ai vu une meuf dans la prison, j'ai cru que c'était toi. Ah bah non. Moi je suis enfui, je t'attends. Faut le temps que j'arrive. Viens tuer ton amoureuse. Oh oui. Sans pitié, hein, je te tue. Je préférais une bonne levrette, mais oui. Ouais, mais c'est un autre délire. Ouais, je sais. Bah, quitte au pire, on en fait une et après je t'amène en prison. Ça te va? De quoi? Après, au pire, on en fait une et après je t'amène en prison. Ouais, mais ouais, si tu veux. Allez, c'est bon. Mais déjà, faut que tu me trouves parce que là, t'as pas l'air de te retrouver. Je suis en train de contrôler. Il y avait une meuf qui essayait de se barrer de la prison. Je suis arrivé avec un fusil à pompe, elle s'est barrée de l'autre côté. Merde, j'ai fessé, du coup je me suis accroupi devant l'arbre. Ça me fait DL de trucs. Je vais être riche, moi, et je vais contrôler le monde. Même avec le lien, ça me lance pas. Bah, déjà, faut que tu télécharges le launcher Roblox, et une fois que t'as le launcher, c'est bon. Shit. Oh, Peter. Bon, tu fais quoi là? Je m'ennuie. Mais j'ai d'autres gens arrêtés. Eh ben, je suis déçu. Je pensais que tu viendrais vers moi. C'est pour ça que je me suis mis en prisonnière, sinon c'est pas drôle. Bah, je suis en train, mais il y a trop de monde. Tu es en train de me tuer toute seule. En même temps, tu me dis, je m'enfuis et tu me dis pas où tu vas. Alors, c'est bon, je suis parti à ta recherche.
Putain, c'est horrible de tirer avec ça. Ah putain, je viens de remourir. C'est horrible de tirer avec. Dans ce jeu. Quoi? C'est horrible de tirer avec les pistolets. Et horrible. Alors? Et genre, on vient de me tuer. Oui. Ah bon? On dit ça quand on est en live, quoi. Bah alors, t'es où? Dans ton cul. Ah d'accord, très bien. Et c'est où ça? Je suis à l'ouest de l'est. D'accord. Donc au nord. Je sais pas où je suis. Est-ce qu'il y a une ville? Ah pas du tout. Est-ce que t'es tombé dans l'eau toi? Ah non, c'est pas toi. Parce qu'il y avait une voiture de police qui est tombée dans l'eau. Je suis à côté de la bijouterie, je suis en train de te chercher. Il y a mon chat, j'adore, il grimpe sur le... sur un meuble juste pour pouvoir boire l'eau qui est dans les poissons. C'est trop drôle. T'aimes que je te raconte ma vie? Vas-y. Muse-toi. Mais je sais pas, j'arrive pas à trouver. Je vais prendre un hélicoptère et je vais arriver. À côté de rail de train. D'accord. Attends, mais je vais prendre l'hélico et j'arrive. En hélicoptère, ça sera plus simple de t'attraper. Je saute si tu veux. Oui. Tac, 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 tac. On y est bientôt. Attends, je vais regarder vers le ciel du coup parce que... Du coup, si t'arrives et que je te vois pas, c'est pas drôle. Remarque que je peux avoir ton live à côté, c'est ça qui est bien. Ça triche. Ah, mais t'es un éclat. Alors, à côté de rail de train, bon, on va suivre les rails. Tu m'as parlé d'eau, donc logiquement, tu serais là-bas. Pourquoi t'as un corps comme ça, toi? C'est bizarre. Parce que je me suis jamais modifié, j'ai le corps carré. Ouais, t'as un corps carré, c'est chelou. Ok, elle est pas là. Aïe! Parle pas! Non, moi j'ai pas dit. Ah, oh, t'es dégueu. Alors oui, vous inquiétez pas, c'est normal. Ah non, je suis... Ah tu es là. C'est viens toi. Je viens de chercher un menu, par contre, sinon c'est pas drôle. Ah oui, je viens de chercher un menu. Bah par contre, commence à t'enfuir, parce que sinon, je te chope, t'es mort. Hein. J'adore comment il nage, n'empêche. Pourquoi? Attends, non, c'est de la triche. Attends. Mais pourquoi? Bah si, c'est mon taser. Non, c'est pas ça. C'est que je peux plus bouger. Ouais, c'est normal, c'est parce que je t'ai tasé. Ah. Non, tu triches. Mais voilà, je boite maintenant. C'est le but. Tu es où? Qu'est-ce que tu fous? Non, on a dit à pied. T'as traversé, je peux pas. Hein? T'as traversé alors que je peux pas. C'est bon, sa tête si je fais ça. Oh, attends, non, tu triches! Mais pourquoi? Mais non, parce que le taser, c'est de la triche. Pourquoi c'est de la triche, le taser? Non, bah si, c'est pas de la triche, c'est le but. Sinon, je t'attrape pas, on court à la même vitesse. Sinon, je te tire dessus. Oh, non! La patrouille de l'extrême a encore frappé.
Non, il n'y a pas de... Y a pas de... Je suis en live, papa. Enfin, c'est ma tête. Ah, lol. Normal, ne vous inquiétez pas. Salut, Toto. Salut. Il est en live. Salut, Toto. Salut. Ah, ça va très bien, et vous? Ouais. Cool. Ça va, t'emmerdes pas trop, là, toute la journée, là? Non, vous inquiétez pas. Je me suis fait du souci, moi, hein. Personne. Tu es où? Je suis dans la bijouterie. What? Y a un mec qui vient de me rouler dessus. Vous ne savez pas du tout, moi j'ai toujours cru qu'on était mercredi. Ah, bien joué ça. Vous ne savez pas du tout, la journée. Ah mince. Il n'a pas répondu, tu vois, tu le savais. Alors. Je chasse les délits. Rien. Bon, tu viens me chercher au poste de police, s'il te plaît, parce que je m'ennuie. Mais t'es quoi, t'es encore criminel? Non, je suis monté policier, je m'ennuie. Bah, rejoins-moi dans la ville. Je suis en train d'essayer d'arrêter un braquage. Le mec se bat. Hein. Oh mais non, allez là, en plus. La brigade a encore frappé. Éventuellement faire cuire les pommes de terre qui sont toutes germées. Mon cas, tu peux couper ton micro. Attends. Quoi? Ouais, pourquoi ouais. Je suis prisonnière? Non. Oh non, je suis obligée d'être prisonnière, je comprends pas pourquoi. J'étais policier il y a 2 secondes et là je suis. Putain, mais ils sont encore en train de braquer la banque. Arrêtez-vous! Eh, hey, mais ça va pas! Ah non, je suis. Ça m'a sorti. Il est con quoi? Putain, mais j'ai pas de voiture de police. Je sais pas où elle est. Salut The Darius, merci de Lost. Il a loqué l'hélico. T'es où? Hein? Où es-tu? Dans le truc de police. Encore? Bah je t'ai dit, viens me chercher. Je sais, mais attends, bah, je suis bloqué parce qu'il y a un truc qui s'est affiché au milieu de mon écran. Je peux pas se barrer. Voilà, merci. Ouais, attends, mais faut que je trouve une police. Mais lequel poste? C'est où il y a l'hélico au-dessus ou dans la prison?
J'attends d'arriver au poste de police que je pense où t'es. Ah oui, je suis là. Non, 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 les gars, non. Sinon, vous allez être coincés, hein. Oh, merdasse, je leur ai ouvert la salle des... T'as ouvert la salle des armes non. Voilà, allez. Oh, j'arrive. J'allais avoir une voiture. Ils sont tous rentrés dans le truc, là. J'arrive. Tu peux tirer, hein, ou tase-les et tu les emprisonnes encore. Oui, il y en a un que j'ai mis en prison encore. Tu veux qu'on gère la prison? Hein? Tu veux qu'on gère la prison? Ouais, ça serait peut-être mieux quand même. Vas-y, j'arrive. Là, je suis toute seule et que... Il y en a qui font n'importe quoi. Alors, on va aller voir ce que tu fais, toi. Je suis là. Je viens d'avoir l'idée du siècle. C'est le passage qu'ils ont. Pour s'enfuir. Oui. J'ai mis ma voiture devant. Matt, il faut que tu viennes m'aider parce que là, ils sont tous... ils sont tous à l'intérieur du truc de police. Hein. J'arrive. Je viens de fermer. Voilà. J'ai juste fermé leur chemin. Là, j'en ai enfermé un, mais il y en a plusieurs qui étaient dans le truc de police. Hein. Mets-toi en tenue. Hein? Mets-toi en tenue. Là, il n'y a rien. De quoi mets-toi en tenue? En tenue de policier. Ah putain, ils ont ouvert les portes. Ah, purée. Je suis tombée. Tu es où? Je suis dans la cour, tu sais, où ils peuvent casser le truc pour l'électricité. Pareil. Bonjour, désolé. Est-ce que tu pourrais me dire comment je te rejoins? Je suis sur le jeu. Bah, tu prends policier, voilà. Bah non, mais t'es sûr qu'il n'y a qu'une seule partie? Je sais pas. Vas-y, attends, chope-les. Quoique, attends, non, c'est quoi? C'est quel... Ah non, mais ils doivent aller se coucher. Non, laisse, ils doivent aller se coucher. Oui, je sais, mais justement, je les ramène. What? On est tous tombés, hein, ouais. Allez, dodo, l'élan. Allez, go. Tu veux surveiller ici? Okay. Voilà, je les ai mis, je les enferme, du coup. Il y en a un qui essaie de se barrer. Ah, mais ça va, les portes sont fermées pour l'instant. On fait dodo, l'élan. Ils ont tous la même tronche que moi, les mecs. Hein? Ils sont tous la même tronche que moi. Ah, y'en a un qui s'est barré! Tu vas où, toi? Attends, mais il a une arme! Ah, c'est bon. Bien, wesh. Ah, y'en a un, il s'est barré, il y en a encore un autre! C'est vrai? Ah, mais non, mais. Mais non, mais je crois qu'on peut. Ah, non, non, c'est bon, ils peuvent arrêter de dodo. Il faut aller dans la cour là. Matt, il y en a un qui sort. Il y en a un ouais, non, mais c'est normal. Faut... Là, on doit aller dans la cour. Hein. Ah. Ok. On va surveiller la porte là-bas au fond. Hein? Il y a la porte là-bas au fond qu'il faut surveiller aussi. Oui, je sais. Je m'en occupe. Reste là-bas. Non. Non, non, non. Oh, oh, oh. Viens là, toi. Y'en a rien qui s'est barré. Dès que si ça se barre, tu les tases. Hein. Tu les tases et tu les renfermes. Y'en a un qui a compris. Matt, y'en a un qui. On va voir, oui, j'ai vu. Il va y retourner. Non, non, laisse-le, il va y retourner. Là, il faut aller à la cafétéria dans tous les cas. Non, non, il essaye de se barrer. Hein. Non, non, regarde, il retourne là-bas. Oui, si. Oui, si, il se tire. Voilà. Ok.
Non mais leur envoie pas parce que justement ça leur envoie. Non mais pas t'inquiète. Faut être surveiller tant qu'ils se barrent pas. Il y en a encore un qui se barre. Oui mais moi je les attends là parce que de toute façon la seule issue qu'ils ont c'est d'aller là. Tant qu'il fait rien de suspect, tu l'enfermes pas. Ah putain, il s'est barré. Fuis-le. Oh non, il m'a volé en fait ma carte. Ah. Voilà, c'est bon, on l'a eu. En fait, il s'est approché de moi, il m'a volé ma carte. Je reviens pas. Je sais pas que c'était possible. T'es où? Je suis à la cafétéria. Ok, je reste à la porte. On n'a pas beaucoup de criminels, hein, ça va. C'est sur le chat Twitch, les gars. Ah, toi. Toi. Stop, 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 stop. Hop là. Toi, mais ça fait rébellion, hein. Ils se barrent tous. Ils sont beaucoup trop Matt. Essaye de les gérer, j'essaye, il y en a encore qui se barrent là-bas. Ah. Non, tu me voleras pas. Matt, viens m'aider. C'est bon, t'inquiète. Mais lui, il fait rien, lui, il suit les règles. Bah si, voilà, tu lui ouvres la porte et il peut se barrer. Mais il ouvre pas. Tu ouvres pas, tu peux les ouvrir tout seul, c'est par là. Il y en a un qui s'est barré en plus. Non, je les ai tous arrêtés. Hein? Je les ai tous arrêtés. Là-bas. Il y en a plein, Matt. T'es où? En train d'essayer de régler ceux qui sont en train de se barrer là. Oh putain, il y en a un qui m'a tué. Non, je suis en prison parce que j'ai essayé d'emprisonner trop de mecs. Putain. Non, il m'a volé. C'est pas possible. Oh, ils sont où? Ils se sont barrés. Non, toi d'abord. Ah. C'est Dargalo. D'ailleurs, attends, bah, du coup, je suis passé en tôle. Je repasse en policier. Ah non, ça m'a fait spawn. Non, c'est bon, j'ai spawn un pigeon. J'arrive. Attends, mais attends, il y en a un qui a chopé des pompes. Quoi? Il y en a un qui a chopé un fusil à pompe. Oui, je sais, je suis en train de le poursuivre, mais il est parti. Bon, pour l'instant, ça va, ils se tiennent bien. Un coup dessus, t'es mort. Ça va, il y a plein de policiers là. Il y a des mecs qui essaient de nous carotter, ils essaient de taper sur le truc électrique. Oui. Putain, Roblox me transforme mon truc, ça me saoule. Ils essaient de me voler mes trucs. Putain, mais ça essaie encore! Hein? Ils essaient encore de se barrer.
Par contre, mon cœur, j'ai besoin d'aide au niveau de la sortie de la police. Bah, 10 secondes, j'arrive. Ils sont nombreux. Mais je sais pas où c'était. Passer, bah, c'est quand tu sors de la police, quand t'arrives au grand parc. Là-bas, le mec, au fond. Il a tapé dessus. Non, il va me voler ma carte. Bah du coup je suis une prisonnière Matt parce que... T'as voilà. Arrêté trop de gars? Bah non ouais mais là normalement... C'est quand t'arrêtes des innocents ils te mettent en prison. Quoi? Quand ils arrêtent quand de gens ils te mettent en prison. Bah je sais pas tuto il y a tout qui est expliqué. Arrête! Ah papa... Arrête! Ah, non mais... Papa! Ah, arrête! Arrête, t'es chiant! Oui? C'est sérieux, c'est pas sans policière? Elle est sérieuse? C'est normal, tu m'as mis des tartes! Mais c'est bon, c'était pour rire, je t'en ai pas réellement mis. Bah si, tu m'as fait perdre 2 points de vie. Mais non, tu mens. Putain, mais il fait quoi lui? Ah merde, y en a qui a réussi à se barrer. J'en ai aucune idée à Imsekpa, c'est pas moi qui l'ai fait ça. Je saurais pas te dire. Amine. Non, arrête, t'es chiant. Faut arrêter. T'es chiant. Je te déteste. Mais... Putain. Je comprends pas pourquoi mon clavier s'inverse automatiquement quand je joue à Roblox. Parce que Roblox, ça demande du QWERTY. Il y a un mec qui m'insulte. Et après, il me dit pourquoi t'es méchante. Ben, je suis pas méchante en fait. C'est toi qui m'insulte, donc. Mais j'en ai, les gars, j'en ai aucune idée, hein, donc je saurais pas vous dire, du tout. T'es repassé policière? Ah non, t'es là. Salut. Allez, steak. Il faut arrêter d'aller taper sur ça. Le premier qui tape, il meurt. Non, si, ouais, mais sauf que j'ai pas tapé. T'as pas tapé. Mais le premier qui tape dessus, il meurt. Tu veux ma carte, toi? Putain, il y en a un qui a volé la carte du policier. Mais le but c'est que de faire sans que je vous voie. Oui mais je peux pas jouer sinon c'est pas drôle, c'est la course possible qui est drôle. Si je peux même pas sortir, on joue pas quoi. Là vous êtes trop, il y en a trop qui sont venus ici.
vous êtes 25 quoi. Allez, allez au lit. Tout le monde dans les... Non. Dans les geôles. Dans les geôles, sinon je tire. J'ai le droit de faire mon petit sport du soir. Allez, go. Time to bed. Tiens, boum. 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 Tu seras en prison. Je sais pas où est-ce qu'il, je sais pas où ils sont les mecs. Bon, je repars faire la brigade de l'espace. De quoi? Je repars faire la brigade de l'espace. C'est vrai? Ouais. Regarde, ah. Il y a encore deux policiers dans la prison. Normalement, ça sera amplement suffisant. Ouais, je peux. Let's go! On va voir s'il n'y a pas des braquages de banque et tout. Merde, je suis allé trop loin. Ouais, tu voudras pas qu'on change de jeu après? Vas-y, tu veux aller faire quoi? Salut Mouxou, bienvenue sur le stream. Je sais pas, on pourrait retourner sur le jeu, tu sais, où tu dois... Merci du follow, mon bro. Sur quel jeu? Ben, je sais pas. Sur mon pseudo Roblox, c'est Dargalo mon pseudo. Et salut Kamiax, ce jeu c'est Roblox, c'est un sandbox en gros où on peut créer plein de jeux. Là pour le coup on joue à un jeu prison versus police. Mais si tu me dis lequel tu veux qu'on fasse, on y va. Tu veux pas qu'on se fasse le truc de quand... Tu sais, quand on s'habille et tout, ça peut être rigolo. Ça peut être drôle. Vas-y. Ça a pas l'air qu'on a pris. Si, si. Let's go. Alors, attends. On va changer, on va plus l'appeler ça la patrouille de l'extrême. Bah, tu veux pas qu'on y aille maintenant, parce que du coup... Si, si, mais je suis dessus. On a fait un peu le tour, je trouve. Je suis dessus. Faut que je trouve un titre. Bah pour ça. Pourquoi? Le meilleur styliste. Le meilleur. Ah, on a joué au meilleur styliste, on est trop des girlies. Bah alors attends, trouve-moi un nom. Le plus grand n'importe quoi. Le but ça va être de faire n'importe quoi. Le Nawak. Le j'ai pas de titre. Voilà, le j'ai pas de titre. Je vais m'appeler J'ai pas de titre. J'ai pas de titre. Roblox. Ah non! Je suis sorti de la communauté comme un connard. Comment? Je suis sorti de la communauté Roblox, j'ai pas fait exprès. Du coup, par contre, le lien, je crois qu'il est carrément sur. Et il est sur Roblox celui-là, c'est le premier. Non, c'est pas sur Roblox justement. Je crois que je te l'avais envoyé, t'avais pas encore Roblox. Si, c'est bon, j'y suis. Mais je te le renvoie, Non, mais j'y suis. Ben, j'y suis pas, alors renvoie-le-moi. Ah, il est sur Roblox, c'est tout bon en haut. Non, je suis sûr que je peux... Je sais pas comment on fait, tuto. Ouais. Ok. Bah oui, alors... C'est sûr. Du coup, t'as lancé, là?
Ouais, mais si t'es pas dedans, on va arrêter. Bah, j'ai lancé là. Ça m'a pas relancé, ça m'a pas mis avec toi. Attends, je relance. Ouais, c'est bon, t'es avec moi. Ah, c'est bon, on est ensemble. Alors, attends. Trakan TV, SLGN Femini, sinon... On te voit pas en ami, si tu ne demandes pas. Matt, qu'est-ce qu'il y a, tuto? Faut faire quoi? C'est quoi? Orange, ça veut dire quoi, Prépi? Ça veut dire quoi, Prépi? C'est le swag, ça. Hein. Ah, il faut être effrayant. Effrayant? Oh putain. Ah non, ça passe! Non, je t'en prie. Ok, Wuxu. Attends, j'accepte au prochain. Mais on est c'est pas chez... du tout modélisé, c'est n'importe c'est... quoi. C'est chez qui la flûte? Hein? C'est chez toi la flûte, là? Ben, je vois bien que peut-être c'est Prépi. Mais non, mais je te dis, c'est chez qui que ça joue de la flûte? Ah, mais c'est mon père qui joue de la flûte. Matt, j'ai un problème, je suis pas du tout modélisé, je peux rien faire. Je sais pas, moi aussi ça galère. Mais moi ça galère même pas, c'est y a rien en fait. À quelle heure tu finis le stream pour savoir si je peux en faire un? Je vais pas tarder, je pense que je fais encore une game de ça et je termine le stream. Alors, Prépi, un style vestimentaire tendance sport swear. C'est quoi sport swear? Alors, Prépi, apparemment, c'est un style vestimentaire tendance sportswear. Mais non, Prépi, ça veut dire qu'il fait peur. Et c'est ce qu'ils viennent de voir sur Wikipédia. Ça me bouffe trop de connexion. Alors, tu vois pas mon cœur, mais je baisse un peu ton son. Quoi? Tu m'en veux pas, je baisse un peu ton son. Alors, attends, mais alors, sportswear, c'est quoi? Il faut pas du tout que j'ai ça. J'ai pas entendu ta réponse. En fait, ça va être compliqué mon cœur continuer sur ce jeu parce que ça me bouffe trop de connexion. Et que le stream il fait que crash. Alors je t'ai dit, je vais pas tarder, Kamex. Sportswear, ça sera très bien. Bon, bah, je pense que c'est bon. Alors attendez deux secondes. Ah, time up! Que j'essaierai d'en faire un dans la soirée. Reçu. Lui c'est nul. Mais Matt, en fait, on joue pas du tout ensemble. Hein. Bah si. Que je suis déjà au défilé en fait. Mais moi aussi. Alors. Ah non. Ce qui fait peur, c'est Prépi. C'est creepy et pas Prépi. T'as raison, Moussou. Je parle très peu l'anglais. Enfin, je vois pas du tout.
Je sais pas trop quoi noter, je sais pas si c'est ça, non. Ah non, tu m'as dit style de sport. Après, je pense que j'arrête, Matt. De toute façon, je fais ce défilé et je stoppe. Et je stoppe le live. Ah, lui, il est bien. Lui. Mais t'as stoppé, t'es quitté le jeu? Ouais, parce que le défilé est déjà passé. Ah non, moi je suis encore dedans. Hein? Moi je suis encore dedans. Bah, on est en décalé. Bon, on va voir si on finit premier. Et de ça, on arrêtera le live. Ah, il casse lui. Bah, réserve-toi pour la prochaine fois, Mouxou. Elle, ça va. Ça fait moyennement sport. C'est pas mal. J'avoue, en vrai, on est les plus classe. Je crois que c'était la dernière. Parfait. On a le classement. On n'est pas classé! Bon, et bah écoutez les gens, c'est sur ça que je stoppe le live d'aujourd'hui qui a quand même duré 3 heures. On a dépassé les records. Merci d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Je vous donne rendez-vous à la bonne fois pour un prochain show. Ah oui, oubliez pas, il y a Discord pour parler avec tous les membres, avec tous les streamers de la chaîne et tout. Et Twitter et YouTube pour voir les rediffusions, etc. etc. Voilà. Donc notez, il y a Kamia qui s'y fait un live ce soir aussi. Donc restez à l'affût. Allez, peace, c'était Dark.